Bonsoir à tous. Bienvenue. La grande librairie vous offre ce soir le seul vrai débat qui tienne autour des deux livres les plus stimulants de ce début d'année :« Décadence » de Michel Onfray et « Histoire mondiale de la France », dirigée par Patrick Boucheron. Bonsoir, Michel Onfray. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Bonsoir, Patrick Boucheron. Soir. Vous accueillir, vous alors euh, parmi les 122 contributeurs de cette somme que vous avez dirigée. Eh oui, je suis très nombreux devant vous. vous. Voilà, vous représentez, vous incarnez et vous êtes la diversité. On va en parler justement d'ailleurs peut-être de cette diversité, de ce qu'elle apporte. Euh, un philosophe, un historien professeur au Collège de France. Nous allons parler euh, de vos livres en détail dans un instant. Ils abordent l'histoire sous un angle très particulier, assez différent évidemment, l'un et l'autre. Mais euh, une première question, pour poser hein, bien clairement les termes du débat. Est-ce qu'il y a une vérité en histoire euh, Quelle est la réponse du philosophe Quelle est la réponse de l'historien Michel Onfray. Il bah, y a une vérité des faits, oui. Et puis après, il n'y a pas de faits sans les interprétations qui vont avec. Et les interprétations ne sont pas forcément à la hauteur des faits. Alors quand vous dites les faits, pardonnez-moi, vous écartez les légendes, vous écartez... Qu'est-ce que c'est qu'un fait historique aussi C'est Bastille, 17... enfin, 14 juillet 1789. Mmh. ça C'est un fait. On eh. peut toujours dire que ça s'est fait la veille, le lendemain, le surlendemain, que ça a été un moment qui a commencé à telle heure et qui s'est terminé à telle heure, etc. Enfin bon, il n'empêche que tout le monde s'entend sur un certain nombre de dates. Il me semble qu'il y a au moins l'objectivité des dates. Et nos ancêtres les Gaulois, gétorix rend les armes à César et est notre ancêtre. C'est un fait ou une légende C'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des faits légendaires, il y a des légendes qui sont factuelles il y a des légendes qui sont constituées à partir de certains faits, mais le travail de l'historien dont j'ai eu besoin pour faire ce livre, je ne suis, suis pas fait un travail d'historien, mais le travail d'historien, c'est un travail d'archives de, de précision, euh, d'archéologie au sens de Foucault du terme, donc on, va, on travaille les sources, on, on, on croise, on n'écarte pas les, les textes qui donnent tort à l'hypothèse qu'on pourrait avoir, enfin l'historien fait un travail dont j'ai eu besoin pour faire ce livre, je n'aurais pas pu faire ce livre sans le travail des historiens, et puis après le philosophe, fait une proposition, une proposition de lecture en disant Voilà, j'ai une thèse, c'est une hypothèse, j'essaie de la vérifier. Et puis on fait une proposition de lecture et, et qui nous aime nous suivre euh, Est-ce que vous vous retrouvez, Patrick Boucheron, dans cette définition de l'historien dont Michel Onfray salue les travaux C'est-à-dire que pour écrire une philosophie de l'histoire, comme c'est le cas, il faut passer par euh, peut-être la fiction, mais certainement par les études d'histoire. Bien sûr, nous sommes d'accord de ce point de vue. C'est-à-dire que la vérité du fait, euh, elle ne se constate pas, elle se construit euh, par euh, l'histoire et, et, et par l'historien dans sa méthode. C'est-à-dire que c'est en écrivant l'histoire qu'on qu construit au fond des hypothèses et toutes ne sont pas recevables. Et, et débattre d'histoire, c'est aussi tenter ensemble de circonscrire justement l'arène, c'est-à-dire l'arène des hypothèses recevables, étant entendu que... Euh, le fait, la, la vérité euh, du fait, euh, nous la cherchons tous. Mais l'histoire n'est pas seulement la science auxiliaire de la philosophie ou de la philosophie de l'histoire, elle a aussi son propre discours à faire euh, valoir et c'est de ça, je crois, dont nous devons débattre. Et avant de, de débattre, euh, je crois qu'on se pose tous, nous, lecteurs, lecteurs de philosophie, lecteurs de romans, lecteurs d'histoire, aussi parfois la question du sens, du sens de tout cela. Évidemment, du sens de l'histoire, euh, c'est une notion souvent philosophique. Est-ce qu'elle fait sens pour un historien Est-ce que vous le cherchez, vous, le sens de l'histoire, quand Mais, vous écrivez si l'histoire les, les historiens n'ont rien d'autre à, à, à proposer euh, à, à ceux qui veulent bien les, les entendre et les lire que leur méthode. Et effectivement, dans cette méthode. Il entre de la patience, il entre une morale un peu scrupuleuse de l'exactitude, mais il entre aussi une manière de faire consonner ces faits ensemble. Mmh. Parce qu'on ne va pas effectivement euh, simplement se limiter au travail euh, de l'archive, de la vérification, même s'il est nécessaire. Il faut donner un sens à tout ça, il faut rendre visible euh, l'histoire. Ça ne veut pas dire nécessairement euh, la faire plier sous le poids d'une idée unique, mais en tout cas... Rendre raison à tous les devenirs possibles, à la complexité, la diversité euh, du temps qui passe. C'est ça l'histoire. Et de ce point de vue-là, elle est d'emblée aussi une action qui n'est pas effectivement la philosophie, mais qui peut en imposer à la philosophie, en imposer aussi à la littérature, faire euh, littérature en elle-même. Et au fond, euh, elle, elle intègre la grande librairie. C'est-à-dire mmh. que l'histoire ultimement, c'est de cela dont on doit parler. Elle peut s'exprimer, pas toujours, mais elle peut s'exprimer dans des livres, et ces livres dialoguent avec d'autres. – Le dialogue, donc, de toutes les méthodes aussi, si je vous suis bien, aussi bien le roman qu'on en parlera tout à l'heure peut-être, le dessin, le journal intime. Cette question du sens de l'histoire, vous régler aussi un peu son affaire dans, dans des cadences, euh, ça ne vous plaît pas tant que ça, cette idée que le sens, que l'histoire aurait un sens et qu'on brandirait comme ça le sens de l'histoire sans cesse alors d'abord j'ai restreint mon, mon sujet, c'est-à-dire que la civilisation judéo-chrétienne c'est déjà un sujet très vaste, mais j'ai dit je, je ne parlerai pas de toutes les civilisations, je suis pas mm. dans la logique d'un Spengler, d'un Toynbee ou, ou d'un Hegel qui donnait euh, la vérité de la totalité des civilisations, je dis bon il y a cette civilisation très précisément et euh, voyons comment, euh, comment celle-ci fonctionne. Donc je fais cette, euh, cette proposition sur le, sur le judéo-christianisme en disant euh, il y a effectivement un vieux schéma. Qui est le schéma de ce qu'on appelle la parousie, le millénarisme, le retour de Jésus Jésus doit revenir. Il est, il, on ne va pas parler de la vérité historique de Jésus, ça aussi c'est un, un sujet. Je dirais, admettons qu'il ait existé, il est mort. Il Tout il est, est dans le admettons avec vous, oui, hein, Michel. Oui, oui, vite. Vous oui. écrivez dès les premières oui. lignes, c'est une fiction, comme oui. est une fiction la fiction d'un Mahomet. Une fiction qui a pacifique. sa réalité. Je, je, je dis, la réalité de Jésus est qu'il est annoncé dans un Ancien Testament qui nous dit qu'il viendra. Les Juifs qui nous disent qu'il viendra restent des Juifs et les Juifs qui nous disent qu'il est déjà venu s'appellent les Chrétiens. Donc je les appelle les judéo-chrétiens. Et on démarre cette histoire avec une philosophie de l'histoire, mais qui est déjà la philosophie de l'histoire chrétienne. C'est-à-dire le passé est derrière, le présent est ici, le futur est devant. Ça peut paraître sommaire aux, aux, aux téléspectateurs qui nous écoutent, mais en fait il y a plein d'endroits sur la planète où on n'a pas cette conception linéaire du temps. On a une conception cyclique. Ce qui a eu lieu revient, etc. La conception de l'histoire n'est pas du tout la même. Et il y a un schéma. Euh, sur cette flèche. Cette flèche est ascendante, il y a un progrès, et on s'en va vers la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus dans le temps d'une génération, en fait. Hein. On nous disait qu'il reviendrait, mais en gros, 30 ou 40 ans. Il n'est pas revenu. Hein. Mais on a gardé ce schéma du, du passé funeste avec le péché dont nous venons, du présent qui est pécamineux, comme on dit, c'est-à-dire un marqué par le péché, et puis de cette idée que plus tard, si on fait ce qu'il faut, on pourra arriver vers une humanité vraiment euh, euh, résolue et, et le christianisme a ce schéma et le, le marxisme reprend ce schéma. Donc le sens il y a un sens, un sens hein, de et qu'on va vers ce et que sens. surtout il y a un, un progrès dans l'histoire, c'est-à-dire que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui et aujourd'hui est toujours meilleur qu'hier, quoi qu'on fasse. Souvent, mais je... Attendez, là, là, là vous faites l'historien parce que vous venez de raconter, c'est passionnant euh, ce qui se dit, mais euh, d'un mot vous y croyez Non. Voilà, on le voit bien, parce qu'il y a des moments dans l'histoire qui font la démonstration que euh, c'est difficile d'imaginer, par exemple, qu'Auschwitz puisse être un progrès. Si vraiment, il y a une flèche du progrès et que nous allons toujours vers le meilleur. Le jour où on ouvre les portes des camps de concentration, comment penser la logique du progrès Alors, les Égaliens nous diront c'est un moment dans l'histoire, c'est la négativité qui rend possible la positivité, c'est ce qui rend possible après la justification de tous les totalitarismes du XXe siècle. Mais il n'empêche que, effectivement, cette lecture de l'histoire comme d'une un, montée progressive vers quelque chose qui sera un jour la perfection, je dis, c'est un, un schéma qui devrait avoir fait son temps parce que c'est un schéma judéo-chrétien et de justification. Et et de justification ouais. de la négativité. Alors tout à l'heure, Patrick Boucheron évoquait euh, tous les documents qui permettent à l'historien de travailler. Euh, je vous propose dans cette émission, évidemment, de raconter l'histoire euh, aussi avec ceux qui, euh, bah, chaque semaine, sont présents dans cette émission, les romanciers, les, ceux qui ont leur petite fabrique de fiction. Alors, il y a différents types de fiction, vous ne les aimez pas toutes, Michel Onfray, puis il y en a certaines, je le sais également, euh, que vous défendez. Régine de Tambel et Emmanuel Dongala nous rejoindront tout à l'heure pour évoquer, alors d'abord, l'histoire des femmes, avec Régine de Tambel, l'histoire de l'esclavage, l'histoire d'un grand écrivain maudit, et puis celle d'un prodige de la musique à la peau noire. Et puis, je vous proposerai euh, encore une autre façon de raconter l'histoire, qui est le journal intime, le récit. Le dessin avec euh, bah quelqu'un que je place moi assez haut hein, aujourd'hui, qui est totalement inclassable, Frédéric Pajac, et qui retrace cette fois-ci le destin de Vincent van Gogh après s'être attaqué à celui de Walter Benjamin, César Pavez, Nietzsche et bien d'autres. Alors, euh, Michel Onfray, tiens, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, décadence, donc qui vient de paraître chez Flammarion, fresque crépusculaire, qui démarre avec l'invention du christianisme. Vous venez d'évoquer ce que vous appelez la fiction de Jésus, qui s'achève sur le transhumanisme, et puis qui annonce la fin de la civilisation judéo-chrétienne. J'aimerais qu'on commence à poser les termes du débat assez concrètement en vous écoutant. Euh, quelle définition à la fois courte et forte pouvez-vous nous donner du mot, du terme civilisation, de manière à ce qu'on soit bien sûr de parler de la même chose Une civilisation, c'est tout ce qui se cristallise autour d'une fiction qui elle-même s'enracine dans un texte spirituel. Donc du sacré euh, du sacré, une transcendance, c'est-à-dire qu'il à un moment donné, un texte sacré, religieux, euh, ça peut être le Talmud, ça peut être le Coran, ça peut être le Nouveau Testament, mais euh, Bhagavad Gita euh, euh, ou quelque autre texte sacré. Et à partir de cette fiction qui propose une mythologie, on va cristalliser, ça va prendre forme comme le, le, le rameau euh, dans les mines de sel de, de Salzbourg avec euh, Stendhal, c'est-à-dire on jette le, un, un rameau et puis il se cristallise, des choses comme ça. Et tout ce qui va se cristalliser, c'est-à-dire… Euh, Mathématiques, architecture, romans, poésie, etc., histoire bien sûr, tout ça va rendre possible un jour quelque chose dont on pourra dire qu'il s'agit ou qu'il s'agissait d'une civilisation. Pas de civilisation, donc, vous l'écrivez, sans religion, sans la religion qui en est euh, qui la rend constitutive, oui. et puis euh, qui va euh, permettre aussi que cette civilisation croisse et puis conquiert. Oui, dans l'histoire que je propose, donc quand je dis effectivement que Jésus est un concept qui se trouve dans l'Ancien Testament, auquel il faut donner corps, la civilisation chrétienne, c'est très précisément la, la recherche du corps de ce Christ qui n'existe pas, de ce Jésus qui n'a pas existé. Moment... Pardonnez-moi, juste pour votre spectateur, pourquoi dites-vous Jésus n'a pas existé euh, c'est un peu long, hein je vais essayer de faire rapidement, mais c'est-à-dire que l'Ancien Testament annonce la venue un jour d'un Messie. Il nous dit ce Messie il va faire ceci, il va faire cela, il va mourir comme ceci, il dira cela, etc. etc. Et puis un jour, des gens, une secte, et la secte, une fois qu'elle devient euh, euh, officielle et qu'elle est au pouvoir, elle devient une religion, mais la, la, une petite secte de quelques-uns disent, mais ce prophète n'est pas à venir, puisqu'il est déjà venu. Et on commence à dire qu'il a existé, qu'il a dit ceci, qu'il a dit cela, et c'est très exactement ce que l'Ancien Testament annonçait, c'est-à-dire que la passion... Du Christ, elle existe déjà dans l'Ancien Testament. Les mots, les situations, etc., tout ça, ça se trouve déjà dans le, même les, le, le Pentateuch, les, premiers, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Et donc, c'est une fiction, comme dans toutes les religions, il est convenu qu'il s'agisse de fiction quand il s'agit de la fiction du voisin. C'est-à-dire que tout le monde sourit ou rit de la, de la, de la religion euh, qui n'est euh, pas la sienne, mais sur la nôtre, on, pas du tout. Et donc, on essaie de donner une figure à ce Christ c'est la question de l'incarnation il faut lui donner chair. Et à un moment donné, d'ailleurs, pendant les deux premiers siècles de, 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 de l'ère, de notre ère, il n'y a pas de figure de Jésus. Il n'y a pas de l'art chrétien n'existe pas. Il y a un art paléo-chrétien dans lequel il y a deux ou trois petites choses. Mmh. Il y a un moment donné, et ça va être Constantin, l'empereur, qui va christianiser l'empire en se convertissant lui-même. À ce moment-là, on va inventer Jésus. On va lui inventer un père, une mère, le bœuf, l'âne. Euh, 350 ans hein, plus tard, hein, vous le racontez très début, bien. Début du IVe siècle et ouais. avec sa mère Hélène, ils s'en vont en Palestine et puis ils commencent à découvrir les morceaux de la vraie croix, la couronne d'épines, le fameux titulus, le petit texte sur le, qui est sur, le, qui est sur, le, le, sur le, le bois de la croix. On a retrouvé les clous, etc. Et puis on commence à, à fabriquer comme ça une histoire et des légendes. Et à un moment donné, où il y a un, un concile extrêmement important où la question est a-t-on le droit de figurer Dieu, de faire des images de Dieu. C'est le moment des iconophiles et des, des iconoclastes, c'est-à-dire les gens qui veulent briser les icônes et les images, et ceux qui pensent qu'au contraire on peut les aimer. Et ça, vous le racontez, c'est assez passionnant. On a l'impression que c'est un roman, Mais à la fois un roman policier et un roman du pouvoir. Parce que la, derrière tout ça, dites-vous, évidemment, pour la civilisation en train de se créer, c'est le pouvoir temporel, Absolument. le pouvoir politique. Et c'est la naissance de l'art. C'est-à-dire, imaginez que ce concile avec une vingtaine de personnes ait décidé qu'il fallait être iconoclaste, c'est-à-dire refuser les images. Alors à ce moment-là, on ne pouvait pas donner de figure à Jésus. Et regardez, dans toutes les églises de tous les villages, vous avez des, des crucifixions, vous avez des peintures, et on vous raconte ce Jésus. Qui, s'il avait existé, aurait eu un, une figure de Palestinien d'aujourd'hui, je dirais. C'est-à-dire le teint basané, les cheveux crépus, noirs, et regardez quelle figure il a. Le Jésus occidental, il a une peau blanche, il a les yeux bleus, il est fait à l'image des hommes qui le peignent et qui le racontent. Comme Et... histoire, comme ah. histoire est écrite à l'image de ces hommes qui euh, la racontent, qui... Complètement. Euh, subjectivement. Voilà. Euh... Et la puissance de la civilisation, c'est effectivement la la résistance qu'elle aura à ceux qui vont la mettre en péril. Une civilisation est forte et puissante, parce qu'on dit, ah, décadence, mai 68, révolution française, c'est 1417 le début de la décadence pour moi. C'est le moment où on découvre les manuscrits de Lucrèce, et on découvre que finalement on peut être atomiste, matérialiste, c'est-à-dire ne pas croire en un seul dieu, croire à une diversité de dieux, une plurivocité des dieux, ils sont divers, multiples, ils sont faits de matière, ils sont dans les intermondes, et c'est une espèce de bombardement, bombarde et effectivement, elle se met à exploser régulièrement comme ça depuis depuis la Renaissance, et, et nous sommes à un état de, de déliquescence avancée. Alors voilà pour la première partie de, de l'histoire. Patrick Boucheron, comment réagissez-vous lorsque vous entendez Michel Onfray euh, raconter ainsi l'histoire des premiers siècles chrétiens ben, je l'écoute euh, avec euh, intérêt, et en même temps je me dis ben voilà, ça c'est pas mon métier. C'est pas mon métier de raconter l'histoire avec cette cadence, avec cette allure peut-être avec cette énergie, et précisément parce que je reconnais l'énergie et je reconnais l'intérêt d'une telle narration euh, euh, entraînante, je me dis, bah, nous les historiens, il faut qu'on tente, au fond, de euh, réconcilier cet art du récit, qui, là, mm -hmm. est très euh, flamboyant, avec notre euh, morale de l'exactitude dont je parlais tout à l'heure, parce que euh, là, euh, pour moi, ça va trop vite, et ça va trop vite aussi euh, du point de vue de ce que vous appelez la civilisation, de, du point de vue de l'exactitude, ça va trop vite. non, vous mais, dire je ne suis pas là pour donner des, euh, pour, pour, pour donner des, des leçons. mais euh, on a un rayon de courbure qui est mmh. très impressionnant, mais qui est celui effectivement euh, d'un essai, mais qui n'est pas celui euh, d'un livre d'histoire tel que nous, euh, nous le concevons parce que personne ne peut être aussi assuré à chaque moment de cette histoire de ce qu'on appelle l'administration de la preuve. c'est aussi simple que ça. mais vous savez, l'histoire, si elle veut être euh, crédible, euh, ce qui n'est pas si évident, euh, il faut qu'elle euh, soit euh, un savoir un peu robuste, et que ce savoir robuste, euh, il doit aussi se, conf se confronter et se discuter. Euh, de ce point de vue-là, effectivement, il y a euh, peut-être une séparation euh, d'avec ce que vous dites c'est que la civilisation est effectivement votre grand concept, et euh, il n'a plus cours vraiment chez la plupart des historiens, parce qu'ils y voient justement une histoire. Révélé. Vous avez parfaitement raison de dire que les religions euh, ont leur historicité. Mais justement, euh, nous ne sommes pas euh, euh, régis euh, par des histoires révélées. Nous sommes gouvernés par des histoires longues, complexes, euh, qui ne se laissent pas euh, simplement résumer par l'affrontement euh, des grandes civilisations. C'est ça aussi dont vous faites l'histoire, Michel Onfray. Vous le dites d'ailleurs. Tout à fait avec beaucoup de franchise, vous dites euh, votre dette vis-à-vis -vis du livre de Samuel Huntington, euh, Le choc des civilisations. Et c'est intéressant parce que c'est un livre, Le choc des civilisations, qu'on a eu euh, le tort de sous-estimer. Mmh. C'est un livre qui était important, mais qui ne décrivait pas euh, euh, le monde, qui tentait, au fond, de le construire. Hein, C'est-à-dire que pour euh, Huntington, l'histoire était euh, la science auxiliaire de la décision politique. Or, les prophètes de malheur ne cherche pas euh, à, à avoir raison euh, dans le futur, il cherche à s'emparer du présent. Donc c'est sérieux. Et donc effectivement, il en va de notre devenir. Et c'est pour ça que cette discussion, la discussion que nous devons avoir sur comment on écrit l'histoire et quelle est la responsabilité des historiens, des philosophes, elle nous engage. Le choc des civilisations, effectivement, c'était ce livre de Samuel Huntington, philosophe américain. Le livre date, si mémoire bonne, de 1996. Huntington est mort il y a quelques années, hein, en 2008, euh, vilipendé par beaucoup, par beaucoup d'historiens, par beaucoup d'essayistes également, notamment ici en France. Cette idée du choc des civilisations, vous euh, la reprenez, Michel Onfray. Pour quelles raisons vous semble-t-elle importante pour comprendre euh, l'opposition entre, en gros, la civilisation judéo-chrétienne, vous en décrivez l'histoire, et puis une autre civilisation qui apparaît au 7e siècle, celle de l'islam, qui va s'opposer et exister d'ailleurs, et écrivez-vous, en s'opposant à la civilisation judéo-chrétienne. C'est un choc de civilisations, c'est ça le premier. Oui, mais euh, c'est intéressant de lire Huntington parce que moi je ne l'ai pas lu au moment où le livre est paru, mais je l'ai lu un peu plus tard, et il s'était passé des choses entre deux, et ce qu'il annonçait a eu lieu. C'est-à-dire, à savoir ben, ce qui s'est passé par exemple, ce qui s'est passé en Russie, en Ukraine, en Crimée. Et il a expliqué ces choses-là. Il a expliqué plein de choses sur l'Europe également. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que les, 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 les philosophes aillent au-delà du, du fait, du commentaire du fait, en sachant très bien que le commentaire du fait est toujours un commentaire politique. Mmh. Moi, je revendique ma subjectivité. Et vous le dites, hein, d'ailleurs. Mais bien sûr, oui. je, ne, ne pas la revendiquer. Mais Patrick Boucheron aussi, hein, vous le dites dans votre introduction. Pardonnez-moi, mais vous avez une ambition politique aussi. Une ambition de porter un discours engagé et savant. Et voilà. ça a la difficulté, effectivement, d'articuler le fait qu'il soit engagé, ouais. mais engagé dans un travail intellectuel. Ouais, mais on peut, on peut et et pas savant. parce qu'on n'est pas engagé dans votre sens qu'on n'est pas forcément savant. C'est-à-dire qu'on peut très bien, moi, je, on peut prendre un certain nombre de chapitres de cet ouvrage et, et montrer pourquoi et comment les textes sont engagés, pourquoi ils le sont, dans quelle optique. Et, et moi aussi, je pourrais arriver à dire, mais les, ça contredit les faits. Par exemple, Alors, chapitre, on, va, on va venir, si vous voulez, au, sur, au, au, sur Descartes, par exemple, qui nous oui. dit que Descartes n'est pas français euh, et que Descartes, il est européen d'une certaine manière et puis qui plus est, plutôt universel et planétaire. Je veux bien. Je dis simplement qu'on ne peut pas soutenir cette thèse-là en disant qu'il a habité en Hollande et qu'il a été aussi à la cour de la reine de Suède, et que, puisqu'il était en Suède, il était en Hollande, en gros, c'est un migrant de la philosophie, et qu'il il, il invente un petit peu la, la pérégrination, parce qu'il y a un fait qu'on ne dit pas, et qui, pour moi, me semble tout de même majeur, c'est que Descartes écrit en français. Oui, il écrit mais... en latin, et, et, et à un moment donné, il écrit en français. Donc on peut écrire en français euh, en Suède, et puis aussi dans les Pays-Bas. Mais il me semble qu'oublier de dire que Descartes écrit en français quand on dit qu'il n'est pas français, c'est pas tout dire. Donc, oui, je, je trouve normal que oui. chacun ne dise pas tout et qu'on euh, soit dans des, dans des logiques factuelles, mais moi je ne revendiquerai pas la scientificité en disant euh, elle est de mon côté, elle n'est pas du vôtre. Vous avez la scientificité de votre côté, moi aussi. Et, et parce que j'apporte des faits sur ce cas-là, on pourrait parler de Robespierre, on pourrait Alors... parler de la terreur entre guillemets, on pourrait parler de l'Union soviétique, on pourrait parler de Staline, on pourrait parler de, de la Révolution française qui déclare la paix en 1790 mais qui finalement fait la guerre en 1792. Donc on peut avancer de la scientificité, on peut avancer des arguments en disant que ce n'est pas la scientificité contre le roman fougueux, c'est scientificité contre scientificité et c'est euh, option idéologique contre option idéologique. Mais pas la science d'un côté et le romanesque philosophant de l'autre. Ça, je ne crois pas. Mais comment faites-vous euh, Parce que vous, vous, vous publiez quand même des milliers de pages par an, et moi, euh, je, ça m'étonne, je, je l'admire, enfin, je, je ne l'envie pas parce que ce n'est pas mon métier. Mais parce que je sais ce que, ce que ça coûte de, de temps, de travail, de lire euh, tous ces livres, euh, de vérifier euh, les faits. Euh, voilà. Ce que je veux dire simplement, et ça, vous ne voyez aucun ça. dédain, c'est que ce n'est pas notre manière. Voilà. Oui. Je reconnais tout à fait la vôtre, mais ce n'est pas notre manière. Et c'est pourquoi, pour faire une histoire... Mondiale plus modeste que la vôtre, de la France, et seulement de la France, nous nous sommes mis à 100 et quelques, mmh. 122 exactement, historiennes et historiens. Donc c'est de ça mmh. dont on aura euh, à parler. Et de fait, de ce fait même, il y a une pluralité de voix, il y a une diversité d'allures, d'opinions peut-être, de styles, d'engagement. C'est-à-dire que pour moi, le livre euh, que je défends aujourd'hui et que je défends avec euh, ardeur précisément parce que c'est pas le mien parce que je ne l'ai pas euh, euh, écrit. C'est la polyphonie. C'est ça qui vous intéresse. Ben, bien vous. sûr, oui. il n'est pas collectif Alors. par défaut. C'est pas parce que oui. on est moins courageux que vous. Il l'est par choix. <laughs> il l'est par conviction bien parce sûr. que je crois que l'histoire elle est diverse, elle est polyphonique et que la dire de manière mmh. euh, euh, plus euh, euh, ample, comme ça, d'une autre manière, d'une autre ampleur, disons, et moins désespérant. Alors j'aimerais quand même qu'on revienne, on, on va venir à cette polyphonie que vous évoquez, en reprenant d'ailleurs, pourquoi pas, les, Michel Onfray, les dates que vous évoquez. Mais juste avant, j'aimerais que nous allions un tout petit peu plus loin euh, dans le livre de Michel Onfray, qui est effectivement, moi je trouve, euh, brillant parce qu'écrit au grand galop et euh, appuyé sur euh, des faits, alors avec sa subjectivité, il reprend... La scientificité qui est euh, la sienne, peut-être aussi parfois celle de quelques celle historiens. historiens hein. Bien sûr, celle oui, oui. des historiens hein. aussi. Une bibliographie commentée. Oui, oui. oui. Euh, vous vous expliquez quand même une chose sur laquelle j'aimerais qu'on se penche. Vous avez dit tout à l'heure, tiens, il y a une date qui est la redécouverte de Lucrèce, et c'est de là que je date la fin de la civilisation judéo-chrétienne. Mais vous dites aussi, et j'aimerais que vous nous l'expliquiez, il n'existe pas de raison unique à l'effondrement d'une civilisation. Euh, donc il n'y a pas simplement la redécouverte de Lucrèce. Euh, si on devait les lister. Si on devait rapidement passer en revue les principales raisons de la fin de cette civilisation judéo-chrétienne, euh, que diriez-vous Il y a une, une définition de Bichat qui est extrêmement intéressante, qui est un médecin positiviste du, du 19e et qui, dit, qui, qui définit la vie comme l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Mmh. Et ça paraît simple comme ça, mais finalement, ce n'est pas si faux que ça. Parce que dès le départ, dès qu'on est vivant, on est assez vieux pour mourir. Et c'est la même chose avec une civilisation. Euh, il y a des civilisations avortées, il y a des civilisations qui durent pas longtemps ou qui durent à peine. Mais, mais prenons le cas celui de la judéo-chrétienne, de la nôtre alors, en fait. Alors, alors voilà, elle, elle, elle surgit à un moment donné mmh. et euh, effectivement elle va durer euh, euh, tout ce temps-là. Ça veut dire que, c'est-à-dire euh, 20 siècles pour aller vite, euh, il y aura eu entre deux des moments qui auront rendu cette civilisation difficile voire impossible ou qui auront lutté contre cette civilisation. Il y aura eu la force pour lutter contre ceux qui luttaient. C'est-à-dire que dès le départ, on a ce qu'on appelle les pères de l'Église, la patristique, on a ensuite la scolastique, et on voit bien que les philosophes qui se... et les intellectuels, pour utiliser un mot qu'on n'utilise pas encore, mais la, la fonction existe déjà, c'est Euseb de Césarée un peu qui invente ça auprès de Constantin, euh, ce sont des gens qui vont euh, mettre la raison au, au, au service de cette civilisation. C'est-à-dire, elle est constructive, la raison. Il faut prouver que Dieu existe, il faut montrer que Jésus est le fils de Dieu, il faut montrer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, etc. Et ça dure des siècles. Pendant plus de dix siècles, la philosophie, ça sert à ça. Et il y a un moment donné où la raison se retourne contre ça. C'est-à-dire, on dit de la raison qu'elle peut peut-être interroger Dieu. Pas forcément le justifier, mais l'interroger, le questionner. En disant, est-ce que Dieu existe et s'il existe etc. Et c'est déjà la fin de la scolastique où on voit chez Thomas d'Aquin des, des, des espèces de contorsions extrêmement compliquées pour essayer d'expliquer que si, alors, etc. Les allures de la scientificité mais pas la vérité de la scientificité. Parce qu'il s'agit de proposer une conviction et de lui donner des allures de scientificité. À partir de ce moment-là, on voit bien que ça commence à fléchir. Et le jour où on découvre le manuscrit de Lucrèce, on découvre qu'il y a un philosophe matérialiste, athée, épicurien pour le coup, que sa vision du monde n'est pas chrétienne, puisque est pré chrétiennes et que finalement le pré-chrétien peut permettre de sortir mmh. du christianisme, mmh. pourrait permettre du post-chrétien pour le coup. On n'a pas besoin d'attendre finalement Nietzsche et son fameux le Dieu est mort coup, pour est... commencer à rentrer dans cette décadence. Absolument, est-ce que, que vous, vous montrez, montrez. Non. non, ni même euh, ceux qui voudraient absolument qu'à la Zemmour je date euh, mai 68 la Révolution oui. française comme fautif. Si c'est bien avant que tout ça se passe. Renaissance... Du genre, je trouve, avec, euh, vous êtes d'ailleurs du indulgent, je trouve, avec plutôt indulgent par rapport à d'autres livres avec euh, avec mes 68 euh, que vous enfoncez moins que d'habitude C'est bien je, je sais pas non en fait j'ai essayé de faire quelque chose qui relève de de, de, de la médecine en fait, de, du, du constat presque de c'est -à, à dire que vous ne déplorez sont... pas pardon oui. vous ne déplorez pas vous ne regrettez pas vous n'êtes pas là pour vous constater je fais un travail nietzschéen. Vous n'êtes pas en fait, un décadentiste. Vous avez parlé en matière d'histoire. Mmh. Effectivement, est-ce qu'il y a une histoire nietzschéenne Est-ce qu'il y a une histoire hegelienne Il y a une histoire marxiste, etc. Moi, je me la pose. La elle est discontinue. Oui, bien ce sûr. Que, ce que Nietzsche a, a, a offert aux historiens, le, 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 le défi nietzschéen pour l'histoire, c'est Foucault, évidemment, qui le relève, mmh. c'est la discontinuité. Or, évidemment, votre histoire, elle est séduisante et terrifiante par le fait que. Elle, elle n'a que deux mouvements, vigueur, euh, ensuite épuisement. C'est bien trouvé. Et cet épuisement commence depuis le 15e siècle. Oui, la Renaissance. Oui. Qui n'en est pas une. Donc. Ah, ça, c'est comme vous voulez. Mais oui. je pense que la Renaissance, c'est quand même le moment où on découvre que l'Antiquité existe et que la vérité n'est pas dans la Bible. C'est-à-dire, on nous dit pendant dix siècles, la vérité est dans la Bible, tout, la science. Si vous voulez faire de l'astronomie, c'est dans, dans la Genèse qu'il va falloir trouver ça. De la géologie, c'est dans la Genèse que vous allez trouver ça aussi. Si vous voulez faire de l'histoire, etc., c'est dans le livre des nombres des rois, etc. Et il y a un moment donné où on se dit mais tiens, il y avait des philosophes antiques. Au-delà des philosophes antiques, des historiens, des agriculteurs, Columelle, etc., euh, des scientifiques, des astronomes, des, des, des astrophysiciens, presque d'une certaine manière, enfin des gens qui s'occupaient du céleste, et on se dit mais finalement la vérité du monde n'est pas dans le livre qui dit le monde, en l'occurrence l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, mais la vérité du monde est dans le monde. Donc pour savoir comment fonctionne le monde, on prend une lunette astronomique, on regarde les astres. Et on ne va pas demander la Genèse. Chapitre fondamental euh, sur Montaigne dans ce livre pour expliquer tout ceci. Un point quand même, parce que quand on prend le cours de votre histoire, telle que vous la racontez, on aboutit, je passe à quelques étapes, pardonnez-moi, mais on aboutit euh, aujourd'hui avec un boulevard pour le nihilisme. Qu'est-ce ah oui. qu'on fait On s'assied au bord du fleuve, on regarde le monde s'écrouler. Qu'est-ce qu'on fait Vous écrivez page 572 ceci. « Le bateau coule, il nous reste à sombrer avec élégance. » Oui, parce que dans la logique que je signalais tout à l'heure, c'est-à-dire une civilisation, elle est forte et elle est puissante et elle produit de la positivité, des œuvres elle produit euh, Raphaël, Bach, elle produit, euh, qui, qui l'on voudra, Descartes... Ah – Oui, des des hein. les grands les romanciers, les grands philosophes. – Voilà, et puis à un moment donné, où elle ne produit plus rien, sauf du ressassement, sauf de la négativité, sauf du plaisir pris à l'épuisement. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais un, un chapitre sur, sur l'art contemporain, mmh. contemporain, je défends l'art contemporain, je ne suis pas de ces philosophes euh, réactionnaires qui nous disent qu'on ne sait plus dessiner et qu'il n'y a plus d'art contemporain, j'ai beaucoup écrit sur l'art contemporain, je défends des artistes contemporains et, et, et vivants. – Mais même l'art, pardonnez-moi, L'art n'est pas un rempart contre la fin de la décadence. Je, je prends l'exemple de la fameuse mère de d'artiste de Manzoni en disant si on peut, 1960, euh, voilà, faire des boîtes de conserve avec des excréments, les vendre et faire de telle sorte que les codes soient considérables et que ça devienne une partie intégrante de l'histoire de l'art. Je, je ne dis pas c'est pas bien, je ne dis pas c'est bien la preuve que l'art c'est de la merde. Je ne suis pas de cela. Je, je dis juste que euh, voilà où on en est dans nos capacités à créer, dans, dans nos incapacités à la positivité. En, en même temps, Michel Monfray, il n'y a pas que cela. Dans, euh, dans l'histoire de l'art, c'est date de 1960, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on voit aussi des artistes qui se sont capables de faire autre chose. Il y a peut-être aussi le roman, non Est-ce que l'art, d'une manière générale, ou même la prise de conscience, vous écrivez un livre formidable pour nous expliquer que c'est la fin de la situation judéo-chrétienne. Le fait de le savoir, grâce à vous, permet-il d'en sortir de cette décadence non, je ne crois pas, parce que c'est un mouvement, là aussi les. les... Non, les réactionnaires disent Il euh, n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela votons pour machin, votons pour bidule. Bon, et et alors vous qui n'êtes pas réactionnaire, qu'est-ce que vous dites ben, c'est ainsi, quand je dis qu'il faut mourir avec élégance. Regardez tous les gens qui ont contribué à la destruction dans leur art. Songeons à Alain Robbe-Grillet, par exemple, qui détruit le roman en disant « le nouveau roman ». C'est un roman sans personnage, sans oui. fiction. Pardonnez-moi, mais ça n'a pas duré, c'est une parenthèse. Ah ben, non, elle est, est refermée. Moment, non, non c'est un moment important dans l'histoire. Elle est refermée par lui. C'est dans l'histoire. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que les gens, même la musique qui s'est ouais. faite jusqu'à ouais. John Cage en nous disant « elle est 4 minutes 33 de silence mmh. ». Quand le silence devient de la musique. Quand le cinéma de, devient l'écran blanc ou l'écran noir de Guy Debord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit le cinéma est mort c'est le non, grand non, moment de la mort, de sombrons avec élégance. Alors, qu'est-ce que non, ça veut dire regarde, élégance bah, Regardez ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que euh, on est revenu aux au vieilles ficelles du roman, et, et ça m'a été le cas d'Alain robbe Grillet. C'est-à-dire, il est revenu à l'autobiographie, il est revenu à la fiction autobiographique, aux personnages, etc. Regardez les musiciens qui sont allés jusque jusqu'au concert de, de silence pour nous dire que c'était la musique. Ils sont allés chercher dans les vieilles musiques mm. une espèce de retour réactionnaire, etc. Donc, effectivement, sauf à ressasser, je ne vois pas. Euh, D'accord. Voilà. <laughs> je vous présenterai quelques romanciers tout de même. Euh, avec plaisir. Il <laughs> euh, y a énormément de choses. Euh, évidemment, les dernières pages, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais je pense que ce sera le troisième volume de cette brève encyclopédie du monde. Non. C'est-à-dire la société virtuelle. Non. Le transhumanisme. Non. Ah non. Non, non, la, le, le troisième, c'est pour, pour ne pas désespérer. Vous avez dit, vous avez raison que c'était, tragique. Le troisième s'appellera sagesse et proposera à partir de la philosophie romaine, pas grecque, est trop idéaliste et trop. Euh, euh, trop intellectuel et ontologique et pas assez pragmatique, les Romains sont pragmatiques, euh, ce sera une invitation de la naissance jusqu'à la mort à dire voilà comment on peut se comporter dans une existence alors que tout s'effondre autour de soi. Très bien. Alors vous avez compris que tout s'effondrait. La question est de savoir pourquoi et comment. Euh, avec Fougue, Panache et en s'appuyant sur certains historiens, Michel Onfray le raconte très bien dans Décadence. Euh, alors, précisément, cette histoire mondiale de la France, on commençait à en parler euh, tout à l'heure. Patrick Boucheron, 122 auteurs rassemblés sous votre direction, 146 dates. C'est aussi le plaisir de retrouver les dates. Hein. Euh, J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. Il faut dire que moi, j'ai lu votre histoire aussi comme un roman. Il y a parfois certaines entrées où euh, l'auteur apostrophe le lecteur, vous dit allez, toi lecteur, qui, vous lecteur qui nous lisez, venez, on vous prend par la main. D'autres où ce sont des micro-fictions. Hein, je pense à la première sur la, la grotte Chauvet. Euh, on est assez loin de la crispation identitaire qui euh, est aujourd'hui la réaction dès qu'on parle de l'histoire de France. Pour quelles raisons une histoire mondiale de la France vous semble-t-elle préférable à une histoire traditionnelle, ou plus exactement, j'oublie le mot, classique de la France Parce que nous ne voulons pas mourir avec élégance nous ne voulons pas mourir du tout, en fait, et que ce qu'on trouve élégant, c'est de jouer un peu. On peut dire qu'on s'est amusé, on peut le dire, parce que, en bien des cas, ce n'est pas très sérieux de ne pas s'amuser. Et il faut le faire parce que, justement, l'histoire, pour être entendue, et pour être entendue, je le répète, dans sa, son effort collectif de donner du sens à la société par son savoir qui est fondé sur une certaine méthode, elle doit retrouver le sens de la narration. Voilà. Alors, bon. on a souhaité, avec euh, mes amis coordinateurs, je voudrais les nommer, c'est Yann Potin, euh, Florian Mazel, euh, Nicolas Delalande et Pierre Saint-Garavelou, réunir des, des historiennes et des historiens autour d'une histoire, et qui est l'histoire, au fond, la plus simple, la plus accessible par date, des chro une chronologie. Mais, une mais en vous décalant. En on faisant le calent. pas de côté. Parce qu'on remarque quand même que euh, la plupart des grandes dates sont assez absentes. Euh, même Mais si vous évoquez 17. Bah, vous évoquez 17. 1700... Ou alors, vous avez une manière. C'est très bien d'ailleurs. Mais quand vous évoquez 1789, hein, euh, la révolution globale avec la prise de la Bastille, évidemment, vous contrebalancez par euh, d'autres dates de la Révolution française. C'est une façon de montrer que ça n'est pas un tout, un enchaînement de cause à effet unique. Exactement. Euh... C'est une manière effectivement de mettre de la discontinuité euh, dans l'histoire, une façon euh, euh, de euh, euh, jouer euh, des, des diversités euh, d'allure, et puis euh, aussi euh, une euh, manière de permettre au lecteur euh, de naviguer comme il le souhaite euh, dans, euh, dans le livre. Parce que ça commence... À la grotte Chauvet. Ça s'achève en 2015, mais il y a des renvois, il y a des parcours qui permettent, par exemple, de passer de la dame de Vix, qui se trouve mmh. être une princesse celte en 500 avant Jésus-Christ, inhumée avec ses bijoux, à Coco Chanel, mais en passant par les Mille et Une Nuits ou mmh. par Versailles, dans une entrée qui s'appellerait Luxe, Calme, Volupté. Alors, vous montrez, par exemple, c'est très intéressant parce que vous choisissez une date qui est 1600. 82, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire que vous dites pas non, tiens, Versailles, c'est l'État, c'est moi. Non, c'est je mets euh, la cour à Versailles, moins pour surveiller les nobles, comme on le dit traditionnellement, Aussi que pour, pour lancer, les... oui, enfin, oui, vous le dites, hein, que pour euh, montrer par le luxe et le faste mon pouvoir au monde entier. Donc, c'est la première mondialisation par le tourisme, par l'apparence et aussi par euh, une euh, politique de représentation euh, dont euh, Versailles va être la capitale européenne et en même temps, c'est un euh, palais qui reprend euh, des traditions architecturales euh, italiennes bien entendu, mais pas seulement euh, espagnoles, turques mmh, même mmh. avec Topkapı et qui euh, relance euh, une, un modèle euh, européen euh, de, euh, de gouvernement euh, par la Cour. Alors, c'est une histoire mondiale de la France. Est-ce que c'est aussi une histoire mondialisée Une histoire qui veut. Euh, Michel Onfray le disait tout à l'heure, quand vous parlez de Descartes, c'est pour dire qu'effectivement, il est européen avant même d'être français, voire pas français. Euh, on découvre une date qui peut euh, faire euh, sourire ou alors qui, qui agace énormément. Je disais aujourd'hui Eric euh, euh, Zemmour qui vous accuse de dissoudre la France. Vous prenez le parti de l'étranger. Voilà, Vous prenez le parti de l'étranger parce que, en gros, vous écrivez notamment... que... Hein, une oui. Hein, oui, Non, nous, on, on prend le... le, qu le... Qu'est-ce qu que vous répondez à cela C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui, parfois, peuvent être assez amusantes. Par exemple, Saint-Martin de, -tour, euh, dont enfin, enfin, de Tours, dont les grands historiens du 19e ont fait la figure de la France, vous dites, c'est pas du tout français, il est hongrois. Ben, on ne l'invente pas. Il vient d'un lieu qu'on appelle aujourd'hui la Hongrie. Et lorsqu'on parle, par exemple, euh, de, euh, des, 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 des martyrs de Lyon euh, en 177, mmh. on dit deux choses. On dit d'abord qu'à ce moment-là, le christianisme est une religion orientale. Ça, on ne peut pas le nier, donc tous ces euh, premiers martyrs euh, chrétiens sont plutôt, viennent plutôt euh, de l'Europe orientale et en même temps il y a une reconstruction euh, de cet événement qui en fait euh, la mémoire euh, d'une France fille aînée de l'Église. Donc on n'est pas le parti de l'étranger, on, est, on ouais. fait le pari de l'étrangeté, voilà. c'est-à-dire qu'on va chercher dans des événements très familiers de quoi les dépayser. Et inversement, on va chercher au loin euh, des euh, dates qui peuvent nous paraître plus éloignées euh, de l'histoire de France, comme, euh, je ne sais pas, euh, le 11 septembre, l'autre 11 septembre 1973, euh, mmh. le coup d'État euh, du Chili. Ça se passe ailleurs et en même temps, ça fait entaille dans les consciences politiques euh, euh, françaises. C'est Maud Chirio qui en raconte l'histoire. Euh, D'une certaine manière, cette histoire de France, elle est plus vaste parce qu'elle permet de mieux respirer aussi. On a pris euh, euh, comme euh, euh, étincelle. Au fond, euh, une phrase de Michelet, le jeune Michelet, en 1831, qui écrit une histoire universelle qui sera, d'une certaine manière, l'encouragement pour écrire l'histoire de France. Et il écrit ceci Il ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. Donc, pour l'expliquer, la France, il faut forcément comme, euh, la déplier, et la déplier au loin, et voir à, à ce qui, non seulement, l'aborde, mais aussi euh, euh, la nourrit euh, de l'extérieur. Il y a un vitalisme, évidemment, dans votre philosophie, et une évidence vitaliste qui est celle de l'assimilation, au fond, entre une civilisation et un individu. Mais, au fond, nous savons bien d'instinct, et la biologie ne dément pas ce savoir instinctif, que les organismes vivants, pour se défendre de la mort, accueillent, évidemment, ce qui leur est étranger pour faire du même avec de l'autre sinon il meurt sinon il meurt et de ce point de vue-là euh, il y a évidemment une prise de position mais une prise de position qui n'est pas un contre-récit mmh. vous trouverez charlemagne Rassurez-vous, et il sera bien couronné en 800. Ce n'est pas franchement l'empereur à la barbe fleurie que certains, dans le Lavis, par Là, exemple, ont empereur, appris. C'est un empereur qui cherche à, à l'être, et quand voilà. il en a d'autres, euh, oui. notamment à Byzance, également à Bagdad, eh ben, il doit composer avec le monde. Alors, puisque vous parlez de Charlemagne, je vais chercher Charlemagne, mais je vais chercher une date que je trouve euh, dans le livre de Michel Onfray, euh, dans laquelle vous vous amusez, hein, Michel Onfray, cette date. Vous dites en réalité, pff, encore une date un peu bidon de l'histoire, ça ne s'est sans doute pas passé comme ça. Personne ne peut prouver d'ailleurs le lieu de cette fameuse bataille c'est 732, on avait tous appris ça à l'école, non 732, Charles Martel, Arrête, Les Arabes, à Poitiers, bon, ça fait ricaner Michel qui non lui consacre, si c'est une très belle page je trouve <laughs> d'ailleurs, vous ricanez un peu, vous battez tout ça en brèche, Patrick Boucheron va même plus loin, vous, vous la mentionnez pas, et vous choisissez 719, parce que dans le Languedoc et bien simplement parce qu'on est un peu fatigué d'avance, justement, des ricanements des historiens qui se sont, à mon avis, un peu épuisés à se faire les professionnels de la déconstruction. Oui, effectivement, la, la bataille de Poitiers ne s'est pas sans doute passée à Poitiers, mais entre Tours et Poitiers n'a pas été ce qu'on dit, c'est-à-dire le choc euh, entre l'islam euh, et euh, la chrétienté, mais une petite euh, razzia un peu euh, minable dans une, un royaume franc qui est encore très incertain. Donc, par conséquent, à partir du moment où on ne peut pas dire grand-chose euh, de cette euh, date du légendaire national, euh, sinon la déconstruire, eh bien, on a envie de, de, de raconter quelque chose de plus sûr. Et c'est euh, le, le partage du butin euh, à Russino, dans le Roussillon, en 719, sous la plume de François-Xavier Fauvel. Et là, vous allez voir, c'est entraînant, il y a un point de vue, ouais. euh, on est euh, juste On est chez eux, on y est. Ouais. On, y est. Ouais. on y est, parce que, justement, euh, il faut raconter, et il faut raconter avec euh, allégresse. Ouais. Et c'est ça qu'on tente de faire... Ça, c'est réussi. ...de, de bien, bien des manières. Le, par... le pari de l'étrangeté contre le parti de l'étranger. La formule doit vous parler tout de même. Ah oui, est... mais moi j'ai fait ça. Hein. Est On n'est la... pas... pas dans ce que vous pouvez appeler la gauche bisounours parfois. Non, non, mais je... moi je démarre avec la Palestine et je termine avec New York. Ouais, hein. Donc, ouais, euh... en et je parle en passant par Constantinople, par Jérusalem, par, par, le par Brésil, Rome, euh, ouais. les, les Indiens dont vous parlez, euh, les, 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 qui, qui, qui ont tant compté pour Montaigne. Bon. Et ah oui, euh, Montaigne, effectivement. Un très beau chapitre sur les Indiens. Euh, enfin, le Donc grand... vous prenez une histoire mondiale de la France. Ouais, moi, je, je suis preneur de tout ce qui est contre-histoire. Et en ce sens, je suis entièrement d'accord sur cette idée qu'il faut déconstruire les dates qui parfois sont des occasions. Vous dites effectivement qu'il y a une invention de Jeanne d'Arc. Il y a effectivement des faits historiques concernant Jeanne d'Arc, mais vous avez raison sur l'idée qu'il y a une invention de Jeanne d'Arc. Donc dès qu'on est dans la, dans le, dans la déconstruction, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin ou la, la démystification, oui. euh, on, fait, on fait un travail philosophique, on fait un travail intéressant. Et, et il y a plein d'endroits où je suis où je souscris. D'autre part, évidemment, parce qu'une euh, contre-histoire peut rencontrer aussi une autre contre-histoire et puis s'opposer aussi à une autre histoire. Et c'est le jeu. Des débats. Mais la déconstruction est un préalable. Il y a un moment où il faut effectivement s'engager dans une autre narration qui est, nous semble-t-il, également entraînante. Et puis alors ce qui est pas mal, messieurs, c'est que ça nous permet à nous, pauvres lecteurs, <coughs> qui ne sommes ni historiens, ni philosophes, mais tout simplement des passionnés, de se dire, après tout, nous pourrions peut-être être, être l'arbitre euh, de ces deux visions, tout simplement en les lisant. Pas en ayant une idée a priori, mais en lisant, en comprenant, en essayant ni de rire ni de se moquer, mais de simplement de comprendre. L Histoire mondiale de la France aux éditions du Seuil, donc sous la direction de Patrick Boucheron. Alors euh, restez avec nous parce qu'on va continuer à déconstruire avec là maintenant euh, quelqu'un que je place assez haut. Euh, après donc le Requiem de Onfray, après la symphonie de Boucheron, voici. La Sonate à Bridge Tower. La Sonate à Bridge Tower, c'est un roman historique absolument passionnant, sur fond de musique classique et qui nous plonge dans les espoirs et dans les paradoxes de la Révolution française. C'est un roman signé Emmanuel Dongala, que j'accueille à présent. Emmanuel Dongala. Bonsoir. Emmanuel Dongala, l'auteur de six romans. Je lisais tout à l'heure ces si romans que je place et que je porte assez haut dans Merci. la littérature française contemporaine. Je rappelle que vous avez été professeur de chimie. Oui. Prof de chimie à Brazzaville, au Congo. Et puis, quand la guerre a éclaté dans votre pays, vous êtes parti aux États-Unis. Vous avez enseigné au Brad College, comme un certain Philippe Roth. Oui. Comme un certain Norman euh, Manéa. Oui. oui, exact. Deux grands écrivains contemporains que je ferai lire à Michel Onfray. <laughs> euh, on n'est pas dans la décadence avec eux. Voici. La véritable histoire de cette fameuse sonate à Kreutzer. Souvenez-vous, ce chef-d'œuvre signé Ludwig van Beethoven, qui est devenu une nouvelle de Tolstoy. Alors, vous aussi, vous déconstruisez une fiction, car la sonate à Kreutzer n'a pas été composée pour Kreutzer, le violoniste, qui d'ailleurs ne l'a jamais jouée, mais pour un jeune violoniste, prodige, un jeune noir qui a séduit l'Europe entière avant de tomber dans l'oubli. Il s'appelait George Bridgetower. Vous, vous souvenez de la sonate à Kreutzer de Beethoven pour violon et piano Écoutez. La voici, cette sonate à Kreutzer. Emmanuel Dongala, dans quelles conditions cette sonate a-t-elle été écrite J'aimerais que vous nous racontiez cela. Mais, tout d'abord, je, je veux dire que si Bridgetower, George Bridgetower n'avait pas existé, cette sonate n'existerait pas. pas. Ouais. Et le monde aurait vraiment perdu une pièce sublime. Voilà. Donc l'histoire est très simple. George Brichtauer vivait à Eisenstein, en Autriche, au palais du prince Estarasi, et qu'il avait comme maître Joseph Haydn. Ensuite, il est parti à Paris. Où hum. il a donné la première. Euh... Alors, on va raconter l'histoire de Bridgetower. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de la sonate en deux mots, parce ah, que c'est incroyable. OK, d'accord. Ça, oui. ça tient en deux pages dans votre oui, livre. Oui, oui, c'est C'est flamboyant. Oui. Mais il arrive, Beethoven euh... fait ça euh, la nuit. Il l'écrit en une nuit. Beethoven, euh, George Bridgetower arrive à Vienne. Il est copain avec Beethoven. Il ne se quitte pas et il demande à ce qu'ils jouent ensemble. Ils vont dans les bars quasiment tous les soirs. Enfin, c'est une amitié euh, aussi de euh, voilà. une camaraderie virile Mais, de Pochecron. Exactement. Quoi. Et Beethoven accepte d'écrire euh, cette sonate. Mais vous savez, euh, Beethoven est tout à fait le contraire de Mozart. Mozart est le génie, il a la musique dans sa tête, il s'assoit, il écrit d'un trait sans rature, euh, il a sa symphonie. Mais Beethoven, alors, composé, c'était laborieux. Il, il raturait, il prenait des notes, il revenait, il recorrigeait, etc. Et euh, évidemment, la sonate n'était pas prête à temps et George le pressait, le pressait et il a fini ça à 5h30 heures, du matin, vous Du dites. matin, oui. euh, 4 h avant la répétition, il avant, devait avant jouer, avant alors de il devait se produire à 8h30 du matin à, à Vienne devant oui. toute la cour voilà. à 5h30 Beethoven et Beethoven termine son morceau. Voilà et il n'avait pas a eu deux le temps heures pour la prendre. Il avait même pas eu le temps de recopier puisque George Brucher jouait en regardant euh, <laughs> par-dessus l'épaule de Beethoven. Voilà, donc euh, c'est une histoire vraiment extraordinaire. Alors, ça, c'est les conditions de création euh, de cette sonate qu'on a attribuée à Rodolphe Kreutzer, le grand violoniste de l'époque oui. qui jouait dans toutes les courbes européennes. Exactement. Sauf que tout ça que... est complètement faux. C'est complètement faux. D'ailleurs, euh, le titre originel de cette sonate, c'est Sonata Mulatica, euh, sonate au mulâtre. Et puis, euh, bon, après la performance, grand succès. Ils vont dans un estaminet, enfin dans un café, dans un bar, ils boivent, parce que Beethoven était aussi très porté sur la bouteille. Hein. Et euh, ils ont bu. Et Georges fait une remarque déplacée sur la femme que Beethoven aimait. Vous savez, euh, il tombait amoureux tout le temps, euh, mais en fait, aucune femme ne l'aimait vraiment. Euh, il n'était pas très beau, euh, on le considérait un peu comme fou, euh, mais quand il était amoureux, il était amoureux. Et puis, euh, Georges a fait une remarque, petite remarque déplacée que, bon, elle est trop coquette, c'est là. Beethoven, ombrageux, se fâche, se lève, il s'en va. Et il enlève la, la dédicace pour euh, donner ça à, au célèbre violoniste français, le plus connu d'Europe, euh, Rodolphe Kreutzer, qui, comme vous l'avez dit, n'a jamais joué. Oui. Il euh, pensait que Beethoven ne connaissait rien à la sonate. Et que c'était inintelligible. Alors ça, c'est pour j'allais dire presque la petite histoire, car je trouve que ce roman euh, est euh, capital, mais peut-être pas pour cette histoire-là qui est anecdotique. Revenons en arrière, on appuie oui. sur la touche réembobinage. Nous sommes en 1789. Bridge Tower n'a pas encore rencontré Beethoven car il a 9 ans. Oui. Il arrive avec son père, alors noir comme l'ébène, lui, oui. à Paris. Nous sommes en avril 89 quelques mois avant la prise de la Bastille, c'est presque une date qui pourrait figurer, d'ailleurs, non pas le 14 juillet, mais avril 89, pourrait presque figurer dans le livre de Patrick Boucheron et ses amis. Euh, à ce moment-là, euh, qui sont-ils Étrange équipage. Ce mais père oui. et son fils voudraient oui. être le, comme Léopold le, le, Mozart le, et son fils. Le père était vrai noir, origine de la Barbade, mais comme la mode était l'orientalisme à, à l'époque, il se fait passer pour un prince d'Abyssinie. Ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas. Il... Mm. <laughs> il vient de la Barbade. Et il s'habillait avec caftan, turban, liseré d'or, vraiment euh, euh, très élégant. Et, et par contre, son fils était métisse. À l'époque, on disait mulâtre. Euh, parce que euh, euh, donc son père était noir, sa mère polonaise. Et il arrive à Paris. Le modèle euh, de son père, c'était Léopold, Léopold Mozart. Il voulait imiter le père de Mozart. Qui avait exhibé, enfin pardonnez-moi pour le verbe, mais exhibé, il n'y a voilà. pas d'autre mot, son non, 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 fils dans toutes les lourd, cours. Hein, en, en contre fortune. Oui, absolument. Et en trichant un peu sur l'âge de l'enfant, comme ils le faisaient tous à l'époque. Le père de Beethoven aussi avait triché sur l'âge de son fils. Et voilà, gros succès. Il joue au palais des Tuileries, au concert spirituel. Gros succès. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé dans le Mercure de France d'avril 1789, que j'ai pu retrouver, le compte-rendu de ce concert. Et celui qui a écrit ce compte-rendu écrit que le talent, talent précoce de ce jeune homme donne une leçon aux philosophes qui doutent de la capacité des gens de sa couleur. De se distinguer dans les arts. Mmh. Donc, on sent déjà qu'il y avait une discussion philosophique quelque part au sujet de l'intelligence des Noirs ou de la place des Noirs, rien que dans ce compte rendu là Alors, c'est là où le, le roman s'emballe, devient absolument passionnant. À rentrer en scène un certain Condorcet qui sous le pseudonyme de Professeur Schwartz, voilà. qu'est-ce que ça veut dire Schwartz euh, en allemand, Michel? Onfrey, <rire> Noir. Même Noir. <laughs> génial. Condorcet en 89 sous le pseudonyme de Noir. Ouais. Fait sans doute la plus belle déclaration qui soit euh, au peuple noir. Absolument. Au même moment, un certain Jefferson, qui lui a des esclaves noirs et euh, un Maîtresse certain nombre noir, de maîtresses oui. noires, oui. est à Paris. Oui. Arrive Terwang de Méricourt, arrive également Olympe de Gouges. Gauche, oui. Et là, on Mais a il... deux personnages. Oui, parce qu'il faut savoir. Que... Un père et un fils qui sont euh, dans la tourmente des idées nouvelles aussi. Progressistes. Oui, oui. Euh, il faut savoir que le... de Voltaire à Buffon, euh, tous... tous ces gens de. de... Les, euh, la philosophie des Lumières, euh, en fait, il n'avait pas remis en cause la place du noir dans le classement des, des espèces. Le noir était tout à fait en bas. Ça, il ne faut pas l'oublier que Voltaire a écrit des choses très, euh, mm. comment dire, euh, désagréables envers les Noirs et les Juifs. Aujourd'hui, on dirait racistes et antisémites. Mm. Par contre, il y avait des gens comme Condorcet, par exemple. Mm comme euh, Olympe de Gouges, euh, qu'on a cité, mais d'autres, euh, Luis de Queralt, etc., qui, eux, vraiment ont pris euh, fait et cause euh, euh, pour les Noirs. Condorcet, par exemple, euh, dans ses réflexions sur l'esclavage nègre, commence son euh, livre en disant « Quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours pris pour des frères. » C'est remarquable, je trouve. Face à cela, face à eux, euh, il y a un étrange personnage qui est le chevalier de Saint-Georges. Oui. Il est mulâtre, il est tellement mulâtre, pardonnez-moi, j'ai un peu l'impression de voir Michael Jackson en 1789, <laughs> c'est-à-dire un noir qui fait tout pour se blanchir. Absolument. Oui. Dans tous les sens du terme. Oui. Il se blanchit ah. politiquement parce qu'il est l'ami de Marie-Antoinette et puis ensuite il la lâche. Oui. Il va euh, s'en aller à Londres et puis revenir servir la Révolution après l'avoir euh, vertement euh, oui. euh, critiqué. Euh. Oui, parce qu'il y avait euh, ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, quand, quand on parle des Noirs euh, à cette époque-là, on ne pense qu'aux esclaves euh, et aux domestiques. Euh, on était encore, l'esclavage existait toujours hein, à cette époque-là, même si la loi disait qu'un esclave euh, qui euh, met les pieds sur le sol de France, une fois baptisé, euh, est affranchi. Mais l'esclavage existait encore. Alors, il y avait une élite noire très bien intégrée, comme le Chevalier de Saint-Georges, Alexandre Dumas, le père, le père de oui. l'écrivain, très bien intégrée. Mais il y avait cette espèce de hiérarchie de la couleur de l'épiderme, et des gens comme cette élite métisse, là, ne voulait rien avoir avec les nègres créoles, les vrais noirs. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait des classifications hein, selon oui. le, le, le taux de sang que vous aviez. Si vous étiez demi-blanc, vous étiez mulâtre. Euh, un quart de blanc, c'est Carteron. Un, un, quart de... un huitième, ouais. octavant. Un seizième, ouais. euh, mamelouk, Et ainsi de suite. Alors là, là nos deux amis, à Bridge Tower, le père et le fils de 9 ans, découvrent aussi cette réalité oui. euh, qui n'a pas, pas lieu à la cour d'Autriche. Euh, ils découvrent ça en France. Et, ils ignorent sans doute hein, cette date que vous avez citée, vous, 1446, l'histoire d'un esclave noir à Pamiers, premier procès. J'ai eu presque le sentiment oui. qu'ils pouvaient être les lointains ancêtres euh, des Bush ah oui, Tower. Ça, tout le monde ignorait cette date. Ah en, en deux mots, euh, Patrick Boucheron. Eh c'est à Pamiers euh, un procès qui met euh, en jeu un esclave noir et là on ouais. se dit Tiens, euh, il y a des esclaves et ils sont noirs au XVe siècle, on a son nom il s'appelle Antoine Simon, je crois et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit les habitants euh, du lieu eh bien, protester auprès du juge en disant Mais nous avons des lois et pour nous, euh, quiconque est à Pamiers euh, devient citoyen et il doit être libéré, etc. Et donc il y a euh, une petite intrigue comme ça euh, qui nous permet bah, d'élargir notre histoire. Parce que euh, le roman euh, d'Emmanuel Dongala, c'est un, un, un grand roman, je trouve, sur ce que c'est que Paris comme euh, capitale euh, de l'universel, comme patrie de l'universel euh, au XVIIIe siècle. Ça élargit l'horizon. Il y a effectivement. Oui. Euh, des personnages qui euh, qu'on qu n'avait pas l'habitude d'y voir, mais qui font partie de notre histoire. À l'époque, en 1689, à Paris, il y a le port obligatoire de la cartouche. Et il y a une police des Noirs. Il y a une police des Noirs. De parce quoi s'agit-il On considérait déjà qu'il y avait trop de Noirs en France, déjà. Et, et euh, ils portaient ce qu'on appelle. Euh, car, la, alors, j'ai jamais suscité un cartouche ou une cartouche, mais la, disons la cartouche. C'était un étui. Euh, et puis qu'ils portaient, et dans lesquels il y avait leur date de naissance, leur maître, s'ils étaient arrivés en France avec un maître, euh, voilà, tous les détails sur leur euh, place en France. Et s'ils n'avaient pas, ils étaient euh, euh, expulsés, enfin, amenés dans les ports de. Euh, de, de oui, renvoyés, euh, en tout ren cas. renvoyés. Voilà, renvoyés euh, sur renvoyé, euh, les marchands voilà. de traite. Et Saint-Georges euh, et Alexandre Dumas portaient hein, cette. Por euh, Cartouche. Alors, votre personnage, le père, hein, Frédéric d'Augustus Augustus Bridgetower, lui, euh, qui se fait passer pour un Frère, prince oui. d'Abyssinie, alors qu'en réalité il a grandi dans les bas-fonds de Londres, euh, lui refuse de porter cette cartouche. Il voilà. va vous le montrer très bien, progressivement. Aujourd'hui, on dirait, avec un bel anachronisme, hein, Michel Onfray, il se radicalise oui. peu à peu. Oui. Mais, euh, et c'est là où je trouve aussi que votre roman est un tour de force, on a le sentiment que cette radicalisation. Ce sont les passions tristes. Est-ce que vous avez écrit le roman du ressentiment aussi ah, Non, plutôt le roman de quelqu'un qui découvre euh, qu'il n'est pas ce qu'il croit être. Parce que vous prenez des gens comme le Chevalier de Saint-Georges, très bien intégré dans la société. Euh, avec, euh, il euh, jouait avec la reine Marie-Antoinette, il était très proche de la reine Marie-Antoinette. Il mais... dirigeait, je crois, le, le Oui, le salle concert des d'Europe. De Absolument. Non, non, il a été très important. Et... Mais, il y avait quand même ce qu'aujourd'hui, enfin, anachronisme, on l'appellerait le plafond de verre. Mm. Quand, a... quand la reine et le roi voulaient le nommer directeur de l'opéra, les Divas, il y a trois Divas, une danseuse et deux chanteurs qui ont dit, euh, des chanteuses qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas accepter de recevoir des ordres de mulâtre. Donc il y avait quand même une limite euh, à cette intégration. Je ne veux pas tout raconter parce que euh, c'est une odyssée, c'est un roman d'apprentissage, les pérégrinations de ce couple improbable, un père et son fils. Euh, on commence en 1889, on va se retrouver ensuite à la fin euh, des années 10, 1800, 1893. Oui. Euh, Londres. Puis Vienne, Vienne. vous l'avez dit auprès de Ludwig van. Oui. Euh, il y a dans ce livre, Emmanuel Dongala, également quelque chose qui est frappant. C'est qu'on euh, vous sent fasciné par l'exactitude dont parlait Patrick oui. Boucheron. Et vous proposez, comme Michel Onfray, une vision. Euh, le romancier, où se situe-t-il par rapport au philosophe et par rapport à l'historien bah, le... Ce qui est bien avec le romancier, c'est qu'il peut prendre des libertés. Euh, et ça lui permet de de montrer les choses qui se cachent derrière l'apparence des choses, voyez. Donc c'est ça que j'aime. On découvre des choses et on les montre au lecteur. Mais ce qu'il faut, il faut être vraiment honnête. Il faut vraiment être honnête. Quand j'écrivais ce roman, j'avais toujours l'impression que le lecteur était plus intelligent que moi. Donc il fallait que je fasse très attention, que j'écrive très bien, que j'évite les anachronismes c'est aussi une histoire de la musique, c'est aussi oui. une histoire de ce, qu de ce que fut l'esclavage, une histoire de la condition noire euh, à la période charnière du, du, du 18e voilà. et du 19e, oui. mais vous avez choisi la fiction. Oui. Vous auriez oui. pu choisir l'essai. Oui, mais il y a tellement de bons livres sur euh, euh, l'esclavage à cette époque-là, euh, ça n'apporterait rien, alors que là, avec euh, la fiction, euh, je pense que... Euh, J'apporte quelque chose de euh, regard nouveau, sans pourtant, un regard différent. Sans pourtant trahir la vérité. Oui. Euh, Michel, oui. on ferait. Euh, vous reprochez par exemple oui. dans votre livre à Rousseau d'avoir beaucoup fictionné euh, les faits, après avoir dit écartons tous les faits il s'est arrangé pour les fictionner. Euh, Est-ce que la fiction a un pouvoir qui vous séduit, vous D'abord, Rousseau dit, commençons par écarter les faits, il oui. pose l'hypothèse d'un homme naturel, et les deux pages suivantes, ça devient une vérité, et puis la page d'après, c'est une certitude, et si on n'y croit pas, ça va mal se passer. Hein. Donc, et je dis, c'est la façon de procéder des intellectuels qui... Euh, qui est inventé là. Moi, j'ai toujours un problème avec le avec la fiction et, et l'histoire, parce que j'essaie je, je, d'être respectueux de l'histoire, et je trouve que souvent les fictions ne sont pas respectueuses de l'histoire. Alors, je, euh, vous, vous me dites, j'ai la liberté <laughs> de faire des choses, et je suis très curieux. J'ai, hélas, reçu tous les livres. Ouais. Il y a peu de temps. ce n'est je... pas le cas, oui, parce que là, là, là vous êtes de... très fidèle à l'histoire. Alors, quelle est la part de fiction dans votre livre Parce que ben, Condorcet, écoutez... Condorcet, quand vous le mettez en scène, il a vraiment vécu ça ou Oui, ça... oui. Alors, c'était une période extraordinaire, parce que tous ces gens étaient contemporains. D'un côté vous avez les trois grands, presque dieux de la musique classique, les gens qui ont commencé à établir les canons mmh. de la musique classique, Haydn, Mozart et Beethoven, qui étaient pratiquement contemporains. Et à la même époque, vous avez déjà ce bouillonnement, c est, c est, c est, cette lutte pour la liberté. On parle déjà d'abolir l'esclavage et, le, et puis le, les, les prémices du féminisme avec euh, Olympe de Gouges et. et, les garognes, et, plus, ouais. et oui. – Oui. Tout ça. Et puis dans les salons, et puis bêtement, la science, la science qui commençait vraiment, euh, l'idée scientifique qui commençait à dominer. Euh, je, ce que j'ai trouvé extraordinaire justement dans l'histoire mondiale de la science, c'est quand le chapitre qui parle de la mesure du monde, le maître, la création du monde, du maître, c'est extraordinaire. La création du maître, c'est parti… Euh, on dit, le, le, le principe de départ, c'était l'égalité de tous les peuples de la Terre. Nous allons faire une mesure universelle, et pour que cette mesure soit universelle, il faut qu'elle appartienne à quelque chose de commun à tous les hommes. Et c'est quoi C'est la Terre. Donc, euh, il mesure le méridien et le... le, le, le... Le millionnaire du quart du méridien terrestre, c'est le maître. C'est extraordinaire. Donc, et les scientifiques a... aussi. Ici, on parlait de Condorcet, mais il y a Lavoisier qui joue un grand rôle. Il y a la autre, Lavoisier, le père autres. de la chimie, ouais. la chimie qui commençait. Et ensuite, euh, Herschel qui découvre. Euh, mais la part de fiction, finalement, c'est ouais. à partir de. Moment, la part de fiction, demandait Michel Onfray. Mais la part à partir de, de fiction. Vous dites, qu'il qu il est arrivé ce jour-là, le oui. ciel était frais, euh, il faisait beau. Oui, déjà, la... c'est de la fiction, c'est déjà du mensonge. <laughs> oui, mais la, la part de, de fiction, c'est le personnage, la vie du personnage. Mmh. Je lui donne une vie, euh, je, je, je le mets dans des situations... Euh, voilà, c'est ça la part de fiction. Si on, ce n'était que raconter l'histoire de Tower, ce serait un essai euh, Il un serait pas sans, beaucoup intérêt, intérêt. sans vrai. intérêt. Et vous lui donnez une voilà. vie et une chair. La sonate à Bridge Tower, aux éditions Actes Sud, sous la signature d'Emmanuel Dongala, formidable roman. Euh, tiens, bah que je vous conseille, Michel Monfray, vous partirez avec, vous avez de la chance. Puisque nous parlons d'histoire, je vous emmène maintenant, juste avant de recevoir Régine de Tambel et Frédéric Pajac, je vous emmène dans une cité qui est marquée par l'histoire, Amboise, la ville de François Ier, Léonard de Vinci, en Indre-et-Loire, et à deux pas de l'ancienne résidence royale, Inès de la Motte-Saint-Pierre a fait la connaissance d'une amoureuse des mots. Elle s'appelle Pascale Delavaux, et elle. Elle a complètement changé de vie il y a 10 ans pour créer sa librairie. Comment l'a-t-elle appelée C'est la faute à Voltaire. Regardez. Avant d'être libraire, j'étais juge judiciaire, c'est-à-dire ce sont les juges qui ont des robes comme à la télévision. Et au bout d'environ de, 13 ans, j'ai décidé de changer de vie. On sent vraiment qu'à un moment, il y a un déclic et où je pense qu'on s'autorise à imaginer peut-être une autre vie et effectivement, et à y aller à foncer. C'est la faute à Voltaire. Voilà, tout le monde, souvent les gens qui passent devant la librairie entonnent le, la chanson de Gavroche qui est le personnage sur les barricades, le titi parisien dans Les Misérables. Il est tombé par terre. Le nom aussi de la librairie, c'est La Faute à Voltaire. Et bien sûr, un clin d'œil à deux grands défenseurs de la lutte contre la peine de mort. Voltaire a eu un rôle important dans l'affaire Calas, Et Victor Hugo a été un défenseur de la lutte contre la peine de mort, avec le dernier jour d'un condamné notamment. Tu as pris celui-là au hasard Non, 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 non. Je vais, je vais ah, tu connais <laughs> Aucun problème. Ah, Alors, le livre qui a changé ma vie, c'est Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. Elle a été déportée à Auschwitz et elle est revenue des camps. Et en 1946, elle écrit ce texte. Ma mère, c'était des mains à visage. Ils ont mis nos mères nues devant nous. Ici, les mères ne sont plus mères à leurs enfants. C'est sans doute le plus bouleversant livre qui a été écrit sur la détention dans les camps de concentration, sans doute en raison de son souffle poétique. Et là, Charlotte Delboux montre... Comment les mots peuvent permettre de rendre l'humanité à ceux auxquels on l'a enlevée, et comme ils sont des armes de résistance. Je crois que ce livre a été essentiel pour moi et a changé ma vie, parce que j'ai envie de dire les mots, alors c'est pas très joliment dit, parce que justement ça fait très judiciaire, mais le, les mots sont vraiment un agent de prévention et de justice aussi. Voilà, retour sur le plateau de la Grande Librairie. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, Patrick Boucheron, Emmanuel Dongala et viennent de nous rejoindre Régine de Tambelle et Frédéric Pajac. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de, de venir raconter aussi. On se posait la question depuis tout à l'heure comment écrire l'histoire euh, Le point de vue du philosophe, le point de vue de l'historien, euh, l'art du compteur avec vous, Emmanuel Dongala. Et puis alors vous, Frédéric Pajat, je ne sais pas où, où vous rangez, mais comme je n'aime pas beaucoup les étiquettes, euh, ça tombe très bien. Et puis Régine de Tambelle, c'est un peu pareil, parce que vous, vous faites plein de choses. Vous avez été dans une autre vie kinésithérapeute, euh, vous êtes romancière également, et là, vous nous livrez un livre qui pourrait presque être une biographie, mais je ne suis pas certain que ça en soit une. La biographie, vous le savez, c'est également une façon de raconter l'histoire. Alors, il y a les biographies de personnages historiques, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler... Les pas de côté biographique. Voici maintenant l'histoire d'un homme, mais racontée par ses femmes, par ses ex-femmes plus exactement, trois ex, à la fois roman magnifique, sombre, dur, réflexion sur la biographie, et puis portrait d'un homme par les femmes qui l'ont aimé. Euh, cet homme, autant vous prévenir tout de suite, c'est à la fois un immense écrivain et un type odieux, violent, misogyne, alcoolique, paranoïaque, avare, jaloux, égoïste, destructeur. J'en rajoute. Non. Ça va, ça. Il s'appelle Auguste Strindberg. Et Régine de Tambel, j'aimerais que vous nous rappeliez d'abord qui est Strindberg, ce qu'on lui doit en littérature. Alors, on lui doit beaucoup, je crois, en littérature. Mais euh, dans votre petite introduction, effectivement, tous ces adjectifs, j'ai envie de retenir déjà, peut-être pour commencer, sexiste, misogyne, juste parce que je me suis dit tout de même, vous m'invitez à parler de Strindberg la veille de l'investiture de M. Trump. <laughs> et là, c'est une façon pour moi, vous voyez, de nouer l'histoire de Strindberg, l'histoire de ses ex, puisque les trois ouais. ex sont bien sûr ses ex-épouses. Vous m'invitez à enchevêtrer euh, demain, hier et aujourd'hui, mon présent de femme, de femme créatrice, de femme écrivain, de femme qui vit dans un monde dans lequel elle veut pouvoir continuer à créer. Avec d'autres, avec les autres, avec tout le monde, parce que, n'est-ce pas, quand il y a une éclipse, tout le monde est à l'ombre. Ça veut dire que s'il y a misogynie, s'il y a sexisme, tout le monde, évidemment, en souffre et en pâtit. Pour revenir donc au personnage, je me demandais qui allait commencer. Je me disais, tiens, peut-être Michel, on ferait des sur Trump, peut-être Patrick Boucheron. L'histoire est en train de se faire. Et ben non, c'est la romancière qui, Absolument. mais vous avez bien raison de profiter aussi de l'actualité et de rappeler peut-être que le roman là aura des choses à nous dire, non? Oui, ne serait-ce qu'en regardant la façon dont pense. on peut voir la vie d'un artiste comme Strindberg. Oui, alors je vais vous dire aussi, pour moi, l'intérêt d'Auguste Strindberg ça a été de constater qu'il y avait une concordance des temps, comme dit sur France Culture Jean-Noël Janonnet, qui est un historien que j'aime beaucoup. Et euh, la concordance des temps, c'est voir que Strindberg est accusé de blasphème, parce que dans l'un de ses recueils de nouvelles, il a osé parler euh, des hosties, euh, du vin oh. de messe, euh, il a dit leur prix, je ne sais quoi, il a oh. dit mais ça, ça coûte quelques centimes, qu'est-ce que c'est que ces choses-là bon. Et il a été, mais c'est vrai, on lui a fait un procès pour blasphème en Suède. Or, souvenez-vous, il y a deux ans, même pas, on était en train de se demander ce que c'était le blasphème aujourd'hui, dans notre France laïque, etc. Bon, il y a eu ça dans l'histoire de Strim. Ces... On a profané sa tombe. Il meurt en 1912, quelques semaines après le naufrage du Titanic. On profane sa tombe. Des adventistes. Voilà, donc toutes ces choses-là. en revanche s'était manifesté quand euh, il se montrait violent vis-à-vis -vis de ses femmes, lorsqu'il les injuriait, lorsqu'il euh, les traînait dans la boue. enfin, ça c'est une autre histoire. Venons-y oui. oui. précisément. Donc, Alors, pourquoi, pourquoi avoir choisi de... Parce que là, vous nous racontez Strindberg. Vous auriez pu le faire. Or, vous avez choisi de décaler le regard un peu, comme le sûr. fait Patrick Boucheron. Bien sûr. Pourquoi, à travers ces femmes Alors, d'abord, tout simplement parce que Strindberg ne m'a pas attendu pour parler de lui. Il a lui-même. Rédiger plusieurs milliers de pages de son autobiographie. Hein, on trouve notamment trois tomes au Mercure de France, dans une traduction, s'il vous plaît, de Georges Perros. Mmh. Et il parle de lui-même avec tout ce que, comment dire, toute la, la crainte, toute l'inquiétude d'un homme qui était peut-être paranoïaque. Et c'est là, Frédéric Pajac, que Van Gogh et, et, et Strindberg se rejoignent, en tout cas sous la plume de, euh, du psychiatre Karl Jaspers. Qui a écrit sur eux, qui a mis d'ailleurs dans le même sac euh, psychopathologique Hölderlin, Strindberg et Van Gogh. Ils sont d'ailleurs voilà. contemporains. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mm. Et donc euh, l'intérêt pour moi, c'était euh, euh, de montrer précisément d'abord à quel point Strindberg était contemporain, puisque après tout il y a des choses très cycliques dans, dans, mm. dans cette affaire, et puis de montrer donc comment cet homme probablement para paranoïaque, bien que Régis Boyer dise que non, et que c'était... Régine, des choses, mais... Régine Oui, oui J'adore, <laughs> vous êtes souvent dans cette émission, j'adore quand vous rangez derrière euh, les historiens, un tel, un tel, ça suffit, vous, Régine <laughs> de Tambel, une femme qui Alors... écrit sur un génie, mais à travers les femmes de sa vie, ouais. trois épouses immédiatement aussitôt épousées, aussitôt divorcées. Mais juste pour vous dire qu'en fait, euh, lui avait écrit toute son œuvre pour dire « j'avais raison et elles avaient tort ». Voilà. C'est ce qui se passe, mmh. en fait, chez Strindberg. Là, je me suis dit, essayons peut-être de donner un peu de voix à ces trois ex, ces trois ex-épouses, euh, parce qu'effectivement, c'était des femmes euh, assez, euh, assez représentatives d'un du, du, féminisme mmh. naissant. Donc, euh, Ziri von Essen... Ouais. Hein, Comédienne, journaliste. Ziri Fonesson, qui l'épouse en 1875, est une comédienne qui ne peut pas jouer la comédie, qui ne peut pas faire de théâtre parce que c'est une aristocrate. On n'a pas le droit en Suède en ce temps-là de se mêler, de faire de la comédie si on est une aristocrate. Donc elle, elle va divorcer de, de son baron de mari pour épouser un roturier. Voilà, pour épouser Monsieur de Strindberg. Ensuite, ce qui va se passer, c'est euh, Frida Uhl, sa deuxième femme. Une journaliste, la fille de, de, du, du directeur euh, du plus grand journal de Vienne. Et, qui va devenir son comédier. agente, hein, voilà, sa traductrice qui va, et, également. Il va vouloir la traduire, voilà, le traduire, etc. Et finalement, c'est et, et la dernière femme, donc Harriet Boss, une oui, comédienne. À peine 20 ans. Voilà, tout à fait. Et ces trois femmes, finalement, sont euh, extrêmement euh, indépendantes, veulent, veulent conquérir leur, leur liberté, leur indépendance. Et lui, finalement, c'est ce genre de femme qu'il aime. Voilà ce que j'aime aussi chez Strindberg, qui n'est pas seulement un sexiste, un misogyne, hein, etc., et toute la liste que vous avez faite, c'est aussi un homme qui aime les femmes indépendantes. C'est un homme qui... qui aime les femmes, mais qui, pardonnez-moi, et je vous cite, bafouille. qui ne les aime qu'en les blessant. Comment ça, on réagit qui, voilà, face qui... à quelqu'un qui ne peut aimer qu'en blessant Eh bien, on réagit comme on peut, avec son histoire, avec ses capacités, avec son énergie. La plupart du temps, on s'en va la première femme euh, au bout de 17 ans Iry divorce euh, la seconde femme euh, je crois que oui elle aussi donc elle est partie très vite bah, Ils il, pas vécu il la brûle le, le soir des nuits de noces racontez-vous oui. Les puissances lui interdisent de consommer. Enfin, ça, ça, la, aussi quelqu'un qui est, est un la peu femme. Est dans extraordinaire, le, il, il est aussi un tout petit peu dans une forme de folie. Est-ce qu'il qu y a une un os mystique avec sa troisième femme Est-ce que vous employeriez ce mot euh, folie Alors il n'a pas embrassé comme Nietzsche un cheval sur la bouche à Turin. Euh, il n'a oui, pas, pas coupé une oreille, de ses oreilles, hein, oreille, hein, Frédéric voilà. Pajac, comme Van Gogh. Il en est le contemporain exact. Il a lui aussi révolutionné son art, pas la peinture ni la philosophie, mais le théâtre. Oui. Fous. Alors qui, vous m'avez demandé tout à l'heure sa part finalement, ce qu'on lui doit en littérature. Alors c'est important que vous disiez en littérature et pas en, et pas au théâtre par exemple. Au théâtre, je crois qu'on le connaît, on le joue encore, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Mais je crois qu'en littérature, on ne le lit plus, on ne lit plus ces nouvelles parce que c'est là où la part de sexisme, est aujourd'hui, je dirais imbuvable. Euh, c'est très difficile à aborder, à absorber, à supporter, alors que dans ces pièces, quand, 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 quand on joue le père aujourd'hui, je crois que c'était encore en décembre dernier, hein, euh, quand on joue le quand on joue le père ou quand on quand on assiste à une représentation de Mademoiselle Julie, euh, il y a encore des choses, enfin il y a toujours des choses très contemporaines qui nous parlent à nous aujourd'hui. Mais la littérature de Strindberg, au sens le, vraiment la nouvelle, le roman, ça a vieilli, ça n'est plus, on ne le comprend plus, le contexte n'est plus le même. Enfin ça. C'est votre le, voilà votre avis de mon regard. Mon regard. Euh, vous racontez aussi l'histoire d'un écrivain qui sacrifie le bien-être des femmes qu'il aime réellement sur l'autel de la littérature. Oui. L'autel de son œuvre, euh, l'écriture est la Alors, maîtresse la plus séductrice qui soit pour un écrivain ou oui. une écrivaine. Mais attendez, il y a quelque chose de, de beaucoup plus grave qui se passe dans la vie de Strindberg. C'était un père de famille, un homme qui avait vraiment euh, envie d'avoir des enfants, de subvenir à leurs besoins. Et il a dit, je ne connais pas d'autre moyen de gagner de l'argent que d'écrire. Et il, quand ces femmes vont lui dire, mais tu as jeté en pâture ma vie, mmh, mmh. Tu, as, tu as publié ce qu'on ce qu faisait dans notre lit, tu as, tu as dit mais les maladies que j'ai eues, tu as dit les mots que j'ai eu à la naissance de nos enfants, les, les mots, les tristesses que j'ai eues, tu as, tout, tu as tout dit de moi. Tu as... Et à ce moment-là, Srine dit, mais. Mais je ne savais pas comment faire pour gagner de l'argent. Moi, je ne sais faire qu'écrire. Donc, il a finalement brûlé. Euh, vous savez, Bernard Palissy, on disait que pour faire ses céramiques, il brûlait son escalier, il a brûlé tout ce qu'il y avait autour de lui. Mais Strindberg, je vais vous dire là, devant témoin, je ne lui en veux pas d'avoir brûlé ses femmes euh, devant l'hôtel. Lui-même disait. Lui qu'il euh, avait pratiqué sur ces femmes la vivisection. Il a dit, mais je ne les ai vues que comme des lapins de vivisection. Oui, c'est quand même... Euh... Ouais. Et, et vous lui trouvez eh bien, un air de Bernard Palissy. Y a-t-il des solutions, finalement Et on le voit aujourd'hui pour nourrir ses, ses enfants mmh. et ses femmes. Qu'aurait-elle dit de lui s'il ne les avait pas nourris, ses enfants S'il n'avait pas subvenu aux besoins de sa famille Et c'est là qu'on voit... Comment, comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a une éclipse, tout le monde est à l'ombre. Oui. Comment précisément cet homme qui, parlait, qui est devenu misogyne parce qu'il a parlé finalement, il a dit euh, pique pendre sur ses femmes, ben, cet homme l'a fait dans la plus, euh, comment dire, la, la plus naïve, la plus innocente finalement des choses. Je lui pardonne rien. Mais ces femmes l'ont ont, ont été bien, ont été de, de très bonnes. Euh, lui ont bien répondu, lui ont bien renvoyé la balle. Et puis de toute façon, elles ont réussi, je dirais, leur, leur carrière, leur destin et leur loin vie de lui, loin de lui, loin de lui, ouais. sans lui. Trois ex. De Régine de Tambel pour découvrir Strindberg. Mais même euh, s'il ne s'agissait pas de Strindberg, ça pourrait valoir pour euh, d'autres hommes, peut-être. Peu importe euh, qu'il s'agisse là d'un des grands euh, dramaturges euh, du 19e et du 20e siècle, aux éditions Actes Sud. Euh, alors, depuis maintenant cinq ans, Frédéric Pajac poursuit ce que je vais appeler une œuvre euh, magnifique inclassable. C'est quelque part entre le récit, le dessin, la biographie, le journal intime, la philosophie, la promenade. Bref, vous cultivez Frédéric Pajac, ce qu'on pourrait appeler l'art de l'égarement, non D'une certaine manière, à travers cette série baptisée Manifeste, Incertain, et qui propose aujourd'hui un portrait euh, du peintre de la couleur, Vincent Van Gogh, l'homme à l'oreille coupée. Alors c'est un paradoxe, parce que ce peintre de la couleur, que fut Van Gogh, est ici représenté au noir, dans tous les sens du terme. Manifeste incertain, aux éditions Noir sur Blanc. On va venir à Van Gogh, on va venir à votre dessin, car vous dessinez, bien sûr, mais un mot d'abord, si vous le voulez bien, sur ce titre, euh, qui est presque un oxymore. Un manifeste, généralement, c'est quelque chose de certain. C'est la certitude du révolutionnaire qui se manifeste. Là, le manifeste est incertain, c'est-à-dire En fait, j'ai pensé à ce titre euh, il y a très longtemps. Euh, je vais avoir 18 ans. Et je... à cette époque, je voyageais beaucoup en Italie parce que j'étais couchettiste dans les trains. Et puis, euh, c'était une époque... Euh, Qu'est-ce que c'est, pardonnez-moi, couchettiste dans les trains Couchettiste dans les trains, c'est les wagons-lits, mais c'est pas vraiment les wagons-lits. Les wagons-lits, c'est pour deux personnes, et les couchettes, c'est pour six personnes. Et donc, euh, c'est plus euh, prolétarien. Et à cette époque, euh, l'Italie était, était euh, en proie à des idéologies euh, très, très douloureuses. Euh, C'est-à-dire surtout le maoïsme. Beaucoup de certitudes. Euh, ma génération, Dans ma génération, il y avait des trotskistes, des, des maoïstes, enfin, des gens qui étaient obligés de se, de se définir idéologiquement. Et, au fond, moi, j'étais euh, totalement opposé à eux. Et, ce, ce, ce mot de manifeste incertain m'est venu dans. Dans le train. Mais en fait. alors, pardonnez-moi, que s'est-il passé entre vos jeunes années de couchettiste dans le train et puis euh, le début des années 2000 où vous commencez à dessiner, à écrire et à nous euh, produire ce manifeste, cinq euh, volumes, hein, ceci est le cinquième. On peut les lire, hein, je précise euh, vraiment dans le désordre. Euh, pourquoi cette œuvre en tant une de forme. forme, si vous voulez euh, euh, Moi, j'ai longtemps travaillé comme euh, intérimaire, jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans, dans ce qu'il y a de pire dans le travail. C'est-à-dire on n'est rien, on n'est même pas un prolétaire, on n'est on est même pas un manœuvre, on est, on est juste là, euh, euh, être intérimaire. On, on, voilà, on, en même temps, c'est très intéressant parce que j'ai travaillé les, sur les chantiers, je travaillais dans, dans les usines, dans les entreprises. Et au fond, j'ai toujours dessiné. Et... et j'ai toujours su que je, je ferais quelque chose de, avec le dessin et, et l'écriture, mais je n'ai pas trouvé cette forme. Euh, et... Moi, je suis le contemporain, en fait, de la, de la bande dessinée, mais la bande dessinée, je veux dire de, de, de la bande dessinée dite pour adulte, hein, hum. je dis bien dite pour adulte. Mais euh, ce n'est pas de la bande dessinée non plus que vous faites. Non, justement, mais je, 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 la bande dessinée me... me il n'y a pas de case, il n'y a pas de bulle, par exemple. Le problème, c'est que je, je pense que le dessin et l'écriture sont, sont deux langages qui, qui, qui doivent s'affronter. Et Dans la bande dessinée, il y a une sorte de réconciliation. Et, et, et au détriment de quelque chose qui ne me satisfait pas. Alors, qu'est-ce qui vous satisfait Parce que là, c'est aussi Alors, la, la, euh, ce, ce qui est frappant, pardonnez-moi, mais quand je lis le texte, je commence à décrocher un petit peu des images et je m'aperçois que je ne peux pas. C'est-à-dire, tout à coup, on est rattrapé par l'image, comme si vous aviez trouvé le, le point de jonction, la passerelle. Ben, ce sont deux langages, et ce sont deux langages qui s'opposent. Et, et au fond, c'est pour ça que je dis souvent que je, mes dessins ne sont pas là pour illustrer le texte. Ce ne sont pas du tout des illustrations. Et parfois, les dessins coïncident avec le texte, et... Mais en règle générale, ils ne coïncident pas. Ils ont deux chemins euh, séparés. Alors, il y a énormément de biographies de Van Gogh. Il n'y a même que ça. Vous rentrez, vous en demandez une, on vous en sort 18. Euh, Patrick Boucheron. Quelqu'un qui, avec l'histoire qu'il vient de raconter, qui est la sienne, qui raconte Van Gogh avec son prisme, parce qu'on va y venir, mais ce qui vous intéresse, c'est aussi ça, les prolétaires, les laissés pour compte, le rapport que Van Gogh a avec les chiffonniers, les, les ouvriers, les ceux ratés. qui perdent, voilà. Ratés. Mais raconter à la première personne du singulier, comme il le fait, Frédéric Pajac, en dessinant. Est-ce que pour vous, historien, ça fait partie de l'histoire Est-ce que ça fait partie des documents importants On peut dessiner l'histoire, c'est-à-dire la rendre visible. Et la rendre visible comme vous le faites, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail parce que vous ombrez euh, le désespoir, au fond, vous le piquetez comme euh, euh, Van Gogh le faisait dans ce, 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 ce ciel, qui est le premier dessin que, que vous regardez dans, dans, dans le livre et qui mmh. est étrangement euh, piqueté euh, au, au roseau, hein, c'est ça, oui. euh, de, de points réguliers. Et qu'est-ce que c'est que ça que, que, Quelle étrange manière, au fond, de faire avec ce que vous appelez, euh, euh, Madame, les musiques noirâtres euh, qui tournaient dans la, dans la, dans la tête de, de Strindberg. Euh, là, là, on a un vrai désespoir. Avec euh, Pajac, on a un désespoir qui est... Euh, 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 ancré d'ailleurs dans une époque qu'il invente au fond, hein, parce que Strindberg, euh, Nietzsche, euh, on est là dans, à l'origine de, 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 de cette grande histoire de, de, de la décadence euh, contre laquelle d'ailleurs les sciences sociales ont voulu euh, euh, réagir. Euh, S'il y avait, vous me, dis, vous me disiez, vous me parliez des, des, des dates que je regrette de ne pas avoir mis dans, dans mon livre, euh, 1897. Ah, on l'a oublié celle-là. Durkheim, mmh. au moment où le, les sciences sociales euh, se définissent comme euh, discipline, qu'est-ce qu'elles prennent comme objet Le suicide. Précisément parce que, pardon, mais on ne veut pas mourir euh, même euh, avec élégance, et vous avez au fond, et c'est ça qui est extraordinaire, euh, vous avez chez Pavese, chez Nietzsche, etc., cette énergie-là dans le dessin pour, euh, au fond, euh, nous tenter, euh, tenter cette réconciliation. Hein, parce que vous êtes aussi, euh, euh, Emmanuel Dangala, un romancier de la réconciliation se réconcilier avec une vision tragique de l'histoire, mais en faire quelque chose, quoi, parce qu'on ne va pas se laisser poisser par les passions tristes. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose de notre destin. Alors ça, c'est effectivement au cœur de votre travail. Qu'est-ce que vous en faites de ce désespoir J'ai l'impression d'ailleurs que vos livres sont une autobiographie par le chagrin, par la solitude, par les vrais héros. D'ailleurs, ce sont eux, hein, peut-être plus que Nietzsche et, et Van Gogh. Oui, mais pas seulement parce que je considère, je considère pas Nietzsche comme un Philosophe désespéré, je considère pas. Pour moi, c'est vraiment un philosophe de, de la joie. Euh, je considère pas euh, Vincent Van Gogh comme un, un peintre sombre. Son destin est sombre. Mais vous en faites un être lumineux. C'est ça le paradoxe. Hein. C'est un être lumineux. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de, de faire un, une biographie, en fait, pour montrer. Un, sans pathos, en essayant d'éviter le pathos, justement, et, et de montrer un être qui, qui est extrêmement cultivé, qui, est, qui, est, euh, qui a une connaissance de, de la peinture, de la littérature, des, des langues, de, de l'histoire, et qui est, euh, est quelqu'un d'assez lumineux. Alors, son, 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 son destin est sombre, mais, mais son œuvre n'est pas une, une œuvre sombre. Sauf au début, évidemment, mais c'est quelqu'un qui, ouais. qui se. À partir du moment où il, il, il va quitter le Borinage et puis la, et puis la Hollande, qu'il arrive à Paris, qu'il se confronte aux impressionnistes, euh, je dirais que ça c'est une période euh, peut-être. Euh, c'est pas la période la plus intéressante parce que c'est la, la période charnière mais la plus intéressante c'est évidemment la période arles arles. Oui. arles et auvergne découvert de la couleur du roseau oui, du camargue on parle toujours de ça mais ouais. euh, au fond dans, moi dans, dans dans mon approche de, de, de vincent euh, je dis vincent parce qu'il aimait pas il aimait pas, ouais. si pas qu'on dise van gogh parce que les, les français n'arrivaient pas à prononcer van Gogh. et euh, donc il a il se faisait appeler toujours vincent et euh, moi je suis beaucoup plus intéressé par son dessin c'est-à-dire quand il arrive à Arles, il découvre le roseau de Camargue, qui est donc une, un roseau taillé, qui va tremper dans, dans de l'encre. Et il va dessiner avec ce roseau. C'est assez difficile à dessiner. Euh, c'est un, un outil compliqué. Et au fond, il va changer complètement son dessin, mais pas seulement son dessin il va changer sa peinture. Mmh. Parce que le trait du roseau, euh, c'est vraiment ces magnifiques dessins c'est vraiment une invention dans l'histoire du dessin. Et le trait du, du roseau, au fond, va ressembler, enfin, ressemble ou, ou préfigure, euh, précède le, sa manière d'utiliser le, le, un pinceau assez, euh, assez euh, presque au trait. Quoi. Alors, vous racontez surtout, c'est le moment où les couleurs vont pouvoir, grâce à ce roseau de Camargue, éclater sur sa toile. Mais lui, c'est le peintre de la couleur. Vous, vous dessinez au noir. C'est déjà un peu une gageure que de se dire tiens allez je vais reproduire on le voit par exemple l'autoportrait de Van Gogh voilà on les voit là côte à côte euh, d'un côté le Van Gogh de Vincent et puis de l'autre le Van Gogh de Frédéric en noir pour quelle raison il a fait des dessins aussi le... Son, son ami le facteur euh, Roulin, Roulin et il l'a peint, et il l'a dessiné, et il a dessiné au roseau. Donc, euh, pour moi, le dessin, la peinture, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas une, une hiérarchie euh, aussi, aussi stricte que. Mm qu'on veut faire croire. É évidemment, vous racontez la fin de Van Gogh, alors elle est à peu près connue. Euh, Quoique, dites-vous, euh, sommes-nous bien sûr qu'il s'agit d'un suicide Il a 37 ans lorsque euh, il est retrouvé mort euh, après cette promenade, être parti se promener avec un revolver. Euh, la piste de l'assassinat est une piste qui a été euh, réouverte hein, il y a quelques années euh, et qui a l'air de vous séduire aussi. Non, je, je, chose – Non, je ne le séduis pas, je, je, je l'évoque parce que, effectivement, l'enquête a été Baclée. bâclée, ouais. parce qu'on n'a pas fait d'autopsie, on n'a jamais retrouvé l'arme, et on n'a pas retrouvé non plus les, son matériel de, de peinture avec lequel il était parti en, en quittant l'auberge euh, le matin. Et donc, on n'a on a, on a pas de, de… Bon, ce qui est curieux, c'est de se suicider en se tirant une, une balle dans le… Euh, en dessous du cœur, enfin, c'est assez curieux. Donc, euh, et, et sera tant pourquoi il, il a pas tiré un second coup par exemple. Et puis après et, une altercation ou de multiples altercations avec un personnage. Alors il est toujours ah, sera... euh, Vincent, il est toujours euh, les enfants le détestent et il est toujours euh, il lui lance des cailloux, des, des pommes, des, euh, il est toujours, il y a toujours une bande d'enfants où, où qu'il a, il y a toujours des enfants qui, sont, qui, le, qui, le, qui le persécutent, en fait. Et c'est vrai qu'on on évoque le cas d'un jeune garçon de 16 ans et demi qui, euh, qui aurait, pu être, mm. euh, aurait pu avoir le, le pistolet de l'aubergiste Ravoux et lui avoir tiré dessus. – bon. Une hypothèse. – On a retrouvé cet homme… Euh, euh, dans les années 50, en 57, on a retrouvé cet homme qui a témoigné, avec 80 87 ans, 88 ans, et il a témoigné, et, et, et c'était pas très clair. Alors, c'est ouais. vrai qu'il y a des, des historiens qui, qui, qui font croire qu'il a été assassiné et, et qui, 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 qui utilisent ce témoignage-là, mais ce témoignage n'est pas si clair incertain, que ça. – Oui, il est vraiment est incertain. Non, mais moi, je ne pourrais ouais. pas dire qu'il a été assassiné. – Donc, le Comme, manifeste pas... incertain vaut dans tous les sens du terme, également pour sa bio, finalement. Frédéric Pajac, aux éditions Noir sur Blanc. Voilà, euh, un pas de côté avec euh, l'histoire des Noirs au XVIIIe siècle, avec vous, Emmanuel Dongala, et de la musique. Un pas de côté avec l'histoire de Strindberg vue par ses femmes. Un autre avec euh, ce peintre de la couleur vu au noir. Et puis, euh, une nouvelle contre-histoire, une brève encyclopédie du monde. On attend le volume 3 et cette histoire mondiale de la France. Vous retrouvez évidemment tous les titres des livres dont nous vous avons parlé ce soir sur les réseaux sociaux de la grande librairie. Je vous souhaite de belles lectures. C'est la fin de l'émission. Bah oui. Et on se retrouve la semaine prochaine avec notamment Pascal Kingard sur le plateau. Belle soirée.